Auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Garde Classe. Alors, on va attaquer cette nouvelle émission avec un sujet majeur qui est la dialectique. Alors, on a reçu des questions de nos correspondants et on va essayer de les retranscrire de façon à structurer l'émission autour des questions qu'on a reçues. Alors, la première question, pour commencer de façon méthodique et pour commencer par le commencement, ce serait pourquoi le mot dialectique est-il grec ? Pourquoi la dialectique naît-elle en Grèce et en quoi son origine christique est-elle remarquable ? Alors, la question que vous posez, elle est effectivement, elle est non seulement fondamentale, mais elle est fondatrice, parce qu'effectivement, le mot dia-lectique, dialectique, il n'est pas né au Japon, il n'est pas né en Afrique. Il n'est pas né en Inde, il n'est pas né en Chine, il n'est pas né chez les Mayas, il n'est pas né chez les Incas. Le mot est un rapport de production. Toute notre vie est un mode de production. Et toute notre vie, dans sa relation au mode de production du langage, du désir, de la vie, de la désignation, est aussi un mode de production. Donc le mode de production est un mode de production pour lui-même, dans la structuration, la désignation. Donc, dialectique, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire mondiale quand à un moment donné est produit le son, le sens du dialectique ? Alors, le dialectique, il est dia et il est lectique. Et en tant qu'il est dialectique, il est le dia du logos. Donc, qu'est-ce que le dia ? Le dia, pour les Grecs, c'est un mouvement de traversée, de séparation. Alors, pas de séparation aliénatoire, comme le sera le fétichisme de la marchandise, au sens où c'est un séparé de la vie en la vie. Au contraire, c'est un dia de radicale séparation de la vie à la non-vie. Il y a deux séparés, nous apprendrons les présocratiques. Il y a ce qui sépare la vie de la vie et qui fait sombrer l'aliénation, et il y a ce qui sépare la vie de l'antivie et qui fait jaillir l'émancipation. Donc le dia grec est une séparation, distinction qui sépare le faux du vrai. Et dans cette traversée, le mot dialectique, qui se conjugue en une unité de vie, de vibration et de signification, nous renvoie au dialogos. Et en nous renvoyant au dialogos, il nous renvoie au logos. Parce que finalement, qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie pour les Grecs ? La vie pour les Grecs, c'est le mouvement du logos. Donc, pour comprendre le dialogos, faut déjà comprendre le logos. Donc, le logos, on en a parlé à plusieurs reprises dans différentes émissions. Le logos, c'est ce fameux legain, qui dit l'unité du monde dans la primordialité première, les chasseurs-cueilleurs ont positionné en réception humble et fidèle de l'organicité de la vie. C'est-à-dire que ce que nous ont appris les structurations linguistiques radicales de l'hellénisme primordial, c'est qu'il y a dans le log, il y a dans le legain, cette idée essentielle qui n'est pas une idée, mais qui est une pratique, qui nous renvoie au test sur Feuerbach sur la relation sociale, c'est-à-dire que ce qui est riche, c'est l'accueillement du mouvement du monde. L'accueillement du mouvement du monde. Donc, qu'est-ce que le logos ? C'est le fait qu'à un moment donné, dans cette spécificité des modes de production qui résultent de toutes les migrations achéennes, doriennes, qui structurent l'ancestralité grecque primordiale, à un moment donné, surgit le logos. Et le logos dit: le siège de la vérité
n'est pas dans l'homme qui perçoit, le siège de la vérité est dans le mouvement réel de l'histoire cosmique qui se donne à être perçu. Et là, on a quelque chose de radical, alors on y reviendra plus tard à travers Hegel, à travers Marx, c'est-à-dire que la question essentielle, la question méthodologique première, fondatrice, qui dit le tout du tout, c'est où est le siège du vrai? Où est le siège du vrai? Et qu'est-ce que dit le grec radical, le grec primordial? Il dit le siège du vrai, c'est l'automouvement de la réalité. Et alors, on bascule pendant quelques instants sur les leçons de la philosophie du droit, sur les leçons de la philosophie de l'histoire, sur la phénoménologie et sur l'encyclopédie des sciences philosophiques. Hegel nous dit tout le réel est rationnel, tout le rationnel est réel. Et donc, qu'est-ce qu'un discours de rationalité? C'est un discours de rationalité qui, saisissant que tout le réel est rationnel et que tout le rationnel est réel, le discours accueille l'expérience historique du vivant et le discours n'est que la reproduction dans un mode de production d'intelligence critique du mode de production de la réalité. Donc, pour les Grecs, qu'est-ce que le logos? C'est le mouvement de la réalité du monde. C'est ce que j'accueille dans le legein, dans le logos, et le leg qui nous renvoie aux chasseurs-cueilleurs qui recueillaient, les chasseurs-cueilleurs recueillaient la vie, l'homme de l'intelligence recueille la rationalité du mouvement réel de l'histoire. Et le mouvement réel de l'histoire est le mouvement d'histoire de la réalité à travers ce logos. Donc, le logos, c'est la réalité du monde qui est la matérialité concrète de la force de production historique de la réalité, et c'est en même temps le mode de production du langage qui accueille cette réalité, qui la reçoit, qui la retranscrit, et qui en positionne les argumentations possibles. Et comme le logos n'est pas une unité statique, mais qu'il est quelque part un processus historique en mouvement, il est dia. Il est dia. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le dia? C'est ce qui traverse, c'est ce qui bouge, c'est ce qui avance, c'est ce qui fait devenir. Donc, le logos des Grecs qui dit la rationalité, logos, ça veut dire rationalité. Et ça veut dire langage, mais langage qui accède à la rationalité. L'évangile de Jean, en arché, en o logos, au commencement de tous les principes de la réalité du monde, il y a le logos. Le logos, alors la traduction latine après se dissipe, elle s'essouffle, elle se perd, parce que quand on dit en latin le verbe, il n'y a pas la puissance du logos. Quand je dis en latin le verbe, je dis le langage qui appréhende la réalité. Or, en grec, le logos est beaucoup plus puissant que le verbum latin. Le logos, c'est la réalité du mouvement réel comme réalité historique et cosmique, et c'est la réalité qui devient langage parce qu'elle est en correspondance de vraie richesse au mouvement réel. Donc, les Grecs, et parce qu'ils sont des Grecs dans la spécificité radicale de l'ouverture historique, les Grecs ne sont pas des Juifs, les Grecs ne sont pas des musulmans, les Grecs ne sont pas des Africains, les Grecs ne sont pas des shintoïstes, ce ne sont pas des Incas, ce ne sont pas des Aztèques. Le mot « dialectique », dans sa richesse radicale, il naît en Grèce. Il est impossible dans une structuration géographico-politique d'un logos bouddhiste. Il n'y a pas de logos bouddhiste. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Grecs, à un moment donné, et on renvoie à l'introduction de 1857, quand Marx dit les Grecs, dans leur odyssée historique, dans leur production artistique, ont produit l'indépassable, ce qui nous renvoie à Hegel, quand Hegel, dans les fameux carnets d'Iéna, dit « Nous sommes dans la maison grecque du commencement ». C'est-à-dire que
On y reviendra tout à l'heure. 1848, la Commune de Paris, l'insurrection prolétarienne, l'abolition du salariat, l'abolition de l'argent, mais c'est le logos qui se métamorphose. C'est-à-dire que le logos qui produit le dialogos, c'est-à-dire la dialectique, produit une spécificité de perception radicale qui dit la richesse infinie du monde dans sa fracture, dans sa rupture, dans son insurrection, et il n'y a que là que ça se dit. Donc, effectivement, la question importante que vous avez posée, pourquoi la dialectique est un mot grec ? Parce que c'est une temporalité grecque, parce que c'est un mode de production d'interrogation grecque, et ça, le mot dialectikos, alors dialectikos c'est du grec, mais je pourrais imaginer une autre langue qui aurait produit dialectikos. Sauf que là, c'est un rêve, c'est un fantasme, c'est une onirie, c'est une impossibilité, c'est une absurdie. Il n'y a que la langue grecque qui pouvait produire le dialectikos, parce que la langue grecque, elle exprimait un mode de production radical à un moment donné, comme dans toutes ces antiquités passives, dans toutes ces antiquités de servitude, de docilité et de reproduction aliénatoire, il y avait là un lieu qui s'appelait la Grèce, pour reprendre l'introduction de 1857, et qui posait l'Odyssée, la statue grecque, le logos grec, la pensée grecque, la jouissance grecque. Donc, le logos ne peut être que grec, et la dialectique ne peut être que grec. Et qu'est-ce que la dialectique ? C'est le logos dans le mouvement. Alors, le logos, c'est la rationalité du réel, c'est la rationalité du logos en tant que mouvement réel qui devient la rationalité de la langue. C'est-à-dire que quand un grec parle et qu'il produit le logos qui dit, il reproduit le logos du mouvement réel de l'histoire cosmique, mais à partir de ce logos, qu'est-ce que le dialogos et qu'est-ce que la dialectique est ? C'est le logos qui sort de lui-même, et on y reviendra tout à l'heure sur Hegel, l'en-soi, le pour-soi, le retour à soi. Qu'est-ce que la dialectique ? C'est le logos qui fait le mouvement du sortir de soi pour exprimer la logique infinie du monde. Dans ses contradictions, puisque si le monde bouge, c'est qu'il n'est pas statique. Or, si le monde universel bouge et qu'il n'est pas statique, c'est que dans le logos, il y a des contradictions qui renvoient au polémos, alors on en parlera, Zénon, Empédocle, Héraclite, etc. Le dialogos, la dialectique, c'est le surgissement contradictoire du logos qui se déploie en histoire mondiale. Donc, on est là dans quelque chose. On a fait beaucoup d'émissions sur le déterminisme, sur la crise, sur la conscience. Toutes ces émissions étaient riches. Mais, quelque part, parler de la dialectique, c'est aller au point le plus riche du plus riche du plus riche, parce que la dialectique contient le tout. La dialectique contient l'esthétique, elle contient l'amour, elle contient la stratégie, elle contient le développement des modes de production, elle contient l'interrogation philosophique, puis le passage à la crise. Il y a dans la dialectique la totalité du monde, parce que la dialectique, puisqu'elle est le dialogos de l'extériorisation du monde, elle contient tous les contenus du contenu du monde, de tous les contenus. Et le rapport du coup au Christ qui était un grec, est-ce que vous pouvez développer sur la spécificité du Christ qui est le seul de son, à son époque à déployer le logos de façon aussi éclatante, aussi radicale, et en quoi la triade du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une manifestation particulièrement intéressante et une manifestation de la dialectique en général, quoi. Alors, on reviendra tout à l'heure au présocratique, parce qu'il faut, il faut expliquer, parce que là, si vous posez la question des Grecs, de la Galilée et du Christ hellénique, il nous manque quelque part une passerelle. Donc, il faudra absolument qu'on revienne au présocratique et au présocratique dans leur différenciation par rapport, quelque part, à la décadence socratique, platonicienne et aristotélicienne. Mais c'est vrai que le logos et le dialogos, c'est-à-dire ce mouvement de la dialectique, positionne une catégorie qui est absolument décisive, qu'on retrouvera tout à l'heure chez les présocratiques,
que ce soit Empédocle, Parménide ou Héraclite, même si cette totalité se formalise dans des formes différenciées, la totalité du logos dans son mouvement brise toutes les séparations aliénatoires qui pourraient écarter la relation d'immanence du fini à l'infini et de l'infini au fini. Quel est le grand positionnement des Grecs? Cette radicalité qui va nous conduire à la lutte de classe radicale de 1848 et au surgissement de la critique communiste, c'est qu'il n'y a pas de séparation inquisitoriale, policière, étatique, pathologique entre le fini et le fini. Dans le logos et dans le dialecticos du logos, tout ce qui est fini me conduit à l'infini. Et tout ce qui positionne l'infini me renvoie au fini qui s'auto-dépasse dans un acte d'auto-abolition qui produit la finitude dépassée dans l'infini. Si je suis juif, dans la pathologie des séparations, il y a l'autre du monde dans l'infinitude des maîtrises et il y a l'homme dans sa finitude qui est effectivement en relation de domination et de soumission dans un contrat d'alliance abrahamique qui relève de la valeur d'échange métaphysique, de la subordination à un infini qui n'est pas en liaison avec le fini puisque l'infini, quelque part, subordonne l'infini subordonne le fini. Et le Coran, qui n'est qu'un judaïsme simplifié à l'usage de l'infini solitude aliénée, reprend la même métamorphose. C'est d'ailleurs pour ça que pour un juif comme pour un musulman, la problématique de l'incarnation est absolument en situation d'incapacité totale de compréhension. Les Grecs savaient qu'entre l'infini et le fini, entre le divin et l'humanité, il y a la légende, il y a les héros, il y a les rencontres. Il n'y a pas de frontière hermétique entre le divin et l'humain. Et la grande fracture radicale, qui est une fracture dialectique, parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que la dialectique ? La dialectique, dans ce dialogos, c'est la compréhension que le devenir fait que chaque structure historique posée là, est appelée à mourir par cela même qui l'a fait vivre, et qu'elle est appelée à vivre par cela même qui l'a fait mourir. Dans les formations théoriques que nous avons à Guerre de Classe, on a positionné le champ du domaine seigneurial carolingien et mérovingien. Et on a posé le champ féodal des dynasties capétiennes ou plantagenais qui succèdent. Ce que nous apprend le dialogos, ce que nous apprend la dialectique, c'est que ce qui est dans le domaine seigneurial et qui bouge, parce que le domaine seigneurial premier n'est pas un objet, mais est une relation dialectique, produit les conditions d'un auto-abolissement qui va produire une structure féodale supérieure. C'est-à-dire qu'entre la rente foncière de l'époque mérovingienne, carolingienne, et son passage à Saint-Louis, puis son passage à Philippe le Bel, j'ai toute une série de devenirs sociaux et historiques qui bougent. Mais ça ne bouge pas parce que ça décide de bouger. Ça bouge parce qu'il y a une maturation dans les contradictions internes de toutes les polarisations matérielles du contradictoire qui font que ça bouge. Et donc, c'est le « ça bouge » qui fait que effectivement, parce que ça bouge, cela devient. Donc, qu'est-ce que la dialectique ? C'est la compréhension du devenir, parce que le logos n'est pas un objet inerte, mais parce que le logos est un objet en devenir dans la relation historique à lui-même. Et comprendre le logos, c'est comprendre que le logos, comme cet en soi premier, n'a de sens qu'en tant qu'il devient dialecticos, c'est-à-dire logos
qui sort de lui en permanence pour matérialiser dans le champ de contradictions historiques un devenir nouveau. Donc, l'histoire du christianisme, à travers la crise du paganisme romain classique, à travers la crise du judaïsme classique, c'est le surgissement du logos, en arche, en hologos, l'évangile de Jean. Et je précise que le en arche, contrairement à la traduction qui voudrait nous faire croire qu'au commencement il y avait le verbe, ça n'est pas au commencement il y avait le verbe, en arche, en hologos, c'est au principe il y avait le logos. Et le haut principe du en arche, c'est qu'il n'y a pas de commencement. C'est-à-dire que la grande pathologie juive et coranique, c'est qu'il y a un début. Il y a un maître du monde qui désigne le fait qu'il y a un début du monde. Pour les Grecs, il n'y a pas de début du monde. Le monde est l'automouvement de son arché, qui ne veut pas dire début, mais qui veut dire principe. Et le Christ, Marx est un juif qui a aboli son judaïsme. Le Christ est un semi-juif galiléen qui a aboli son judaïsme en redonnant à la Galilée grecque tout le sens radical, puisqu'on retrouve dans les formulations évangéliques du Christ toute une série de sonorités dialectiques qui renvoient au présocratique. Ils ont des yeux pour ne pas voir, ils ont des oreilles pour ne pas entendre. Il y a ça chez Héraclite et chez Parménide. Donc, faut comprendre que la radicalité christique est une radicalité anti-judaïque, que c'est une radicalité anti-coranique, puisque le Coran n'est rien d'autre qu'un judaïsme simplifié. C'est la même loi de la valeur d'échange modifiée, restructurée, mais c'est le même monothéisme de la valeur d'échange. C'est-à-dire le Christ révolutionnaire dans toutes les insurrections sociales, c'est « abat la marchandise », la Torah et le Coran, c'est « organisons la marchandise différemment ». Donc là, il y a une entité radicale. Mais alors, le problème, c'est celui de l'incarnation, et vous avez raison. La structure linguistique hébreu, la structure linguistique arabe. Et entre les deux, le judéo-nazaréisme, à travers effectivement toute une série de formulations de briques et de brocs. Il y a quelque chose qui est impossible à cadrer dans le monothéisme de la valeur d'échange. C'est l'incarnation d'amour. L'idée que Dieu devienne homme est quelque chose d'insupportable pour les juifs comme pour les musulmans. Or, qu'est-ce que nous dit l'Évangile dans sa radicalité de logos, de dialogos? C'est qu'il n'y a pas de séparation entre le fini et l'infini. Ce qui fonde le judaïsme et ce qui fonde le coranisme, c'est qu'il y a une séparation radicale entre le fini et l'infini, le monde du divin et le monde de l'humain. Et le Christ explose tout ça. Alors, le Christ explose le judaïsme, mais qu'est-ce que le musulmanisme? C'est un retour en arrière. C'est-à-dire que le Christ a explosé la Torah de servitude, et les judéo-nazaréens, qui ne font que reprendre la Torah de servitude pour créer la Oumma de soumission, bricolent un Jésus qui n'a jamais existé. Il retire de ce Jésus toute sa subversion radicale pour revenir à la Torah. Et le Christ abolit les mercenaires de la marchandise. Le judaïsme et le coranisme font, même s'ils sont frères ennemis, une synthèse absolue de défense de la loi de soumission dans l'argent équilibré. Mais au-delà de ça, ils nous disent tous les deux cette idée trinitaire du divin qui devient homme
et de l'homme qui devient esprit et qui retourne au divin dans la Trinité, c'est quelque chose d'insupportable. Alors, on appelle ça. Alors, les Juifs parlent d'un polythéisme, les musulmans parlent d'un associationnisme, mais il est impossible à un esprit musulman ou à un esprit juif de saisir la puissance subversive de l'Évangile s'il ne sort pas du judaïsme et s'il ne sort pas du coranisme. C'est-à-dire que Hegel, dans les origines du christianisme, qui reprendra les présocratiques, le logos, le dialogos, la dialectique, va nous expliquer la richesse de la Trinité. C'est-à-dire que dans la richesse de la Trinité, il y a l'insurrection communiste qui dit que dans le fini, il y a l'infini, que dans l'infini, il y a le fini et que tout homme est un divin sur terre. C'est-à-dire que contrairement à la pathologie monothéisme du marché, juive ou coranique, qui sont la même substance organisée de manière différente, le Christ, dans son message radical de communisme primordial, tel que c'est positionné dans Engels, les origines du christianisme primitif, vient nous dire, il n'y a pas le divin là-haut et l'humain en bas, il y a l'automouvement du monde dans sa richesse de logos et de dialecticos, et le Christ s'est incarné sur terre en tant qu'humain, parce qu'il a fait passer le divin dans l'humanité pour que l'humanité, dans le poursoi radical d'une dialectique qui a fait surgir l'esprit de la conscience radicale, vienne dire à chaque humain qu'il est le divin en incarnation potentielle de l'universalité du logos mondial. Et donc là, le judaïsme, le coranisme, le bouddhisme, le shintoïsme, les mayas, les incas, les africains, les japonais, les chinois, tout ça s'est balayé, il surgit une puissance radicale du logos radical qui, par la dialectique de l'incarnation dans son en-soi, dans son pour-soi et dans son retour à soi, produit l'insurrection mondiale contre toutes les fétichisations de soumission infinie. D'ailleurs, par rapport au Christ, parce que sur le, au mont Golgotha, le Christ dira, quand il parle du Père, il dira « Abba » comme figure paternelle, comme le devenir de toute chose, on retrouve exactement la même chose chez Héraclite quand il dit le polémos qui est le père de toute chose. C'est-à-dire que là, il y a un lien direct, même en termes de mots, on retrouve exactement les mêmes expressions. Et pour revenir justement aux présocratiques, chez les présocratiques, il y a déjà l'exposition de la dialectique, mais elle n'est pas encore saisie comme système conscient et rationnel, comme automouvement de la nature en tant que telle. On a... Et Empédocle qui dit que le devenir, c'est l'en-soi, ou c'est l'eau, c'est là d'où vient l'humanité. Et Héraclite dit que le devenir, c'est le feu. Donc, alors, il ne dit pas que c'est le feu qui fait que les choses bougent. Il dit que le feu, en tant que sans arrêt, dans un automouvement qui est sans arrêt différent, dans l'absence de possibilité de retourner au même, l'absolu devenir. Et quelque part, on pourrait faire le parallèle avec Hegel, avec le pour-soi, c'est-à-dire que parmi les présocratiques, il n'y a pas eu l'exposition d'un noyau rationnel encore, puisqu'on n'a pas eu toute l'histoire des modes de production qui produit une médiation, une indistinction qui fait qu'on peut saisir au bout du bout de la dialectique de l'histoire, l'histoire de la dialectique. On n'est encore qu'au début, on perçoit quelque chose qui après dégénérera, qu'on appellera la physique, on perçoit la phusis, c'est-à-dire l'auto-croître du monde. Mais on le perçoit de manière contradictoire, c'est-à-dire qu'Empédocle dit quelque chose auquel répond Héraclite, qui répond quelque chose. Il y a Xénon, il y a Thalès, il y a les penseurs du chiffre avec Thalès, puis il y a les penseurs de la phusis avec Héraclite, etc. Donc on n'est pas encore dans l'exposition qu'on a à Hegel, c'est-à-dire tout le développement de la logique, l'en-soi, le pour-soi, le retour à soi, avec la qualité, la quantité, la mesure, compris dans un système anti-rationnel, qu'on historiciste, qu'on comprend avec toute l'histoire des modes de production, on est encore dans un balbutiement de la dialectique. Donc il faudra que justement cette dialectique meure à un moment donné, puisque justement avec le système, avec Aristote, Platon, la République, on fera un divisé entre l'être et le penser. Il faudra que justement cette dialectique ne tienne pas le coup de l'histoire et justement s'efface en apparence pour pouvoir qu'au bout du bout de l'histoire, on produise une universalité qui nous permette de la retrouver. Après aussi, oui. Je voulais poursuivre ce que dit Charles parce que nos auditeurs n'ont pas forcément lu, beaucoup lu,
beaucoup creuser et forcément cibler quelque part les bonnes identités à déchiffrer. Donc, par rapport à ce que disait Charles, il faut comprendre qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture. C'est-à-dire que quand je parle des présocratiques, quelles que soient leurs oppositions, comme l'a dit Charles, Empédocle n'est pas Parménide, Parménide n'est pas Héraclite, Héraclite n'est pas Anaximandre, Anaximandre n'est pas Anaxagore. Il y a toute une série d'oppositions dans le percevoir de la rationalité possible de ce qui fait le surgissement du logos. Mais il y a une unanimité. Il y a une unanimité, c'est que le logos est l'acte de fondation du monde dans son historicité cosmique, infinie et universelle. C'est-à-dire que, bon, on va pas rentrer dans les détails pour ne pas complexifier, mais si je pars de Parménide, Parménide me dit que la catégorie essentielle de la compréhension phénoménologique, c'est l'être. Et Héraclite répond en disant non, la catégorie phénoménologique fondamentale du cosmos, c'est pas l'être, c'est le devenir. Pour Héraclite, l'être de Parménide découle du devenir. Pour Parménide, le devenir d'Héraclite découle de l'être. Mais à la limite, tout ça, on s'en fout. Ce qui est décisif, c'est que tous ces penseurs-là, au moment où les vieilles communautés traditionnelles de l'avant-l'argent, le génos communiste s'est dissous dans cette Grèce qui bascule dans le démos, l'argent, le pouvoir, l'agora, tout ce que Engels montre dans l'origine de la famille et de l'État. C'est-à-dire que les présocratiques sont des hommes d'alerte qui ne comprennent pas bien ce qui se passe parce qu'ils sont au bout du processus, mais ils comprennent qu'avant, il y avait une totalité, qu'il n'y avait pas de scindé, qu'il n'y avait pas de clivé, qu'il n'y avait pas de séparation. Parce que précisément, la valeur d'échange, dans son mouvement d'autonomisation premier, n'avait pas disséqué le temps social. Donc, quel que soit le positionnement d'interrogation qu'ils ont, ils comprennent qu'il y a une totalité. Et c'est la totalité du logos. Et surtout, ils comprennent que le siège du penser vrai n'est pas dans l'homme qui pense, mais qu'il est dans l'organicité du mouvement réel de l'histoire et du cosmos qui se présente à l'homme. Donc, il faut que nos auditeurs retiennent ça. Les présocratiques, malgré leurs lacunes, malgré leurs limites, malgré le temps premier de ce premier engencement de la pensée analytique qui se met en mouvement, ils ont compris une chose, c'est que la pensée et l'être sont la même chose. À partir de la dissociation civilisationnelle qui fait jaillir la polis grecque, qui fait jaillir l'urbs latine, la division du travail, l'argent, le mouvement du commerce, bref, tout ce qui crée la modernité post-néolithique, il se crée une séparation. Et le mot dialectique va perdre sa sensualité et sa signification originelle. Pour Parménide et pour Héraclite, la dialectique, c'est l'acte de pensée qui saisit le logos du monde. C'est-à-dire, il y a la rationalité du monde et il y a la rationalité du penser. Et la rationalité du penser n'est possible que parce qu'elle accueille en humilité la richesse de la rationalité du devenir. Il n'y a pas de séparation entre le logos du monde et le logos du penser. Et le siège de la vérité n'est pas le penser de l'homme. C'est le logos du monde qui vient dans le penser de l'homme. Et, bien évidemment, Socrate, Platon, Aristote, c'est la cité grecque, c'est la division du travail. C'est la division aliénatoire entre les tâches matérielles, les tâches intellectuelles, le commerce, l'artisanat. Bref, c'est la cassure de la communauté première. Et puisqu'il y a cassure de la communauté première, il y a cassure de l'interrogation première. Et il y a donc cassure du logos premier. Et le mot dialectique commence à se défaire. Alors que chez les Grecs, premier, la dialectique du penser
ça n'est rien d'autre que l'automouvement de la réalité qui vient dans le réfléchir des hommes, la dialectique s'autonomise. Et du coup, je vous coupe juste un instant, parce oui, que allez-y. On enchaîne sur la seconde question quelque part, c'est pourquoi la dialectique a-t-elle commencé à se perdre à partir de Platon et d'Aristote, et pourquoi finit-elle chez Kant à l'antithèse de ce que Hegel avait positionné à son sujet? Alors, ben justement, c'est-à-dire que pourquoi la dialectique s'est-elle perdue? Alors, le correspondant qui nous a posé cette question a oublié Socrate. La dialectique s'est perdue à partir de Platon, et puis elle s'est encore perdue à Platon. C'est-à-dire que si la dialectique chez les Grecs archaïques, chez les présocratiques, est une immanence entre le mouvement réel, historique et cosmique et le mouvement pensé, ça veut dire que le logos de l'histoire du monde vient produire le logos de la pensée de celui qui pense. Et le logos, qui dit en même temps la parole, s'expertise. Qu'est-ce que la parole vraie? La parole vraie, c'est la parole qui dit le vrai du monde. C'est-à-dire que la parole est vraie parce qu'elle dit, en tant que logos qui parle, la vérité du logos qui est l'automouvement de la conscience historique mondiale cosmique du devenir infini de l'universel. Donc, à partir de la décomposition des communautés grecques traditionnelles et à partir du moment où il y a passage à l'acte civilisationnel de la police, de la cité, de l'agora commerciale, de l'agora des choses, il y a un clivé, et c'est ce que montre très bien Marx dans l'idéologie allemande, la division du travail des fonctions sociales produit la division sociale des fonctions du réfléchir universel qui positionne le développement de ces fonctions sociales. Donc, à partir de Socrate, le siège du questionnement, ce n'est plus le logos du monde, c'est l'autonomisation narcissique du sujet politique, le citoyen. Alors, chez Socrate, c'est embryonnaire, chez Platon, ça s'accélère, chez Aristote, ça se répand. Et alors, on a donc là toute l'histoire mondiale de la dialectique qui se dissout, qui perd son sens, qui transforme sa signification, qui édulcore sa perception. Si je m'appelle Héraclite, la dialectique, c'est le mouvement du réel tel que le mouvement de ma pensée le reflète, l'accueille, le produit, le reproduit. C'est-à-dire que tout vient du mouvement réel de l'histoire cosmique. Et si ma pensée est riche, c'est parce qu'elle accueille en tant que elle recueille, c'est le legen, c'est le dialegen. C'est-à-dire que ma pensée est riche parce qu'elle n'est pas narcissique, subjective, mais parce qu'elle accueille le devenir du monde. Et à partir de Socrate, tout ça est brisé, non pas parce que M. Socrate a décidé de le briser, mais parce que la configuration sociale, l'émergence du sujet narcissique démocratique, fait que le siège du réel n'est plus la totalité impersonnelle du cosmos radical, mais devient le questionnement subjectif de l'ego commerçant en l'agora des choses. Et cette révolution néolithique qu'a produit la grande cassure et qui survient dans une forme accélérée à l'époque socratique, elle n'en est qu'à ses débuts. Athènes, la révolution macédonienne, déliquescence des sociétés grecques, déperdition du modèle platonicien, passement au modèle aristotélicien, empire macédonien, accélération de l'histoire, et ça bouge, et ça avance, et ça devient, et ça fracture. Et plus la question philosophique avance, plus elle exprime le temps de l'autonomisation de la valeur d'échange dans les grandes temporalités de la production, de l'extériorisation de quelque chose qui dit la disjonction entre le mouvement réel et l'interrogation logique. C'est-à-dire que pour Parménide, la dialectique, c'est le mouvement du réel qui vient en moi et qui se dit dans le mouvement de ma parole. Et plus j'avance dans l'histoire, plus la dialectique devient une autonomisation pathologique
du discuter, du rechercher, du creuser. C'est-à-dire que c'est plus la question grecque du qu'est-ce qui advient en l'histoire cosmique de l'universelle histoire, c'est comment moi, en tant que sujet pensant, je vais poser l'histoire du monde. Alors, on avance à toute allure, saint Thomas d'Aquin, Descartes, Leibniz, Hume, Berkeley, ça se bouscule, mais plus je suis près des présocratiques, plus la dialectique a une signification de fusion cosmique et historique avec l'unité d'une substance mondiale qui s'appelle le logos, et plus j'avance dans la modernité, plus il y a une séparation entre le réel et le sujet pensant, ce qui fait que la dialectique, de plus en plus, signifie l'expression d'une cogitation coupée de la réalité, de l'immanence du monde, puisque précisément par l'autonomisation de la valeur d'échange, le monde a perdu son immanence à lui-même. Et à partir de là, on comprend bien que la philosophie n'a pas d'histoire. Elle n'a que l'histoire que le développement des forces productives et que la division sociale du travail lui donne, quoi. Et évidemment. Et alors, on aboutit dans ce moment où la révolution marchande va effectivement se produire comme réalité de véritables forces historiques au kantisme. Et Kant, c'est le point ultime de cette séparation qui a produit la division infinie du décalage qui est né de la mort des présocratiques. C'est-à-dire que pour les présocratiques, il n'y a pas de différence entre l'essence et le phénomène. Le phénomène n'est que la production cosmique radicale du logos dans le mouvement de sa dialectique en tant qu'il résulte de l'essence qui s'est déployée. Et c'est ce que Hegel et ce que Marx vont positionner dans un temps révolutionnaire par rapport à 1789 et à 1848, mais dans le même temps, on a Kant qui va aboutir à l'antinomie contradictoire absolue, puisque précisément, Kant va nous dire le contraire de Parménide et d'Héraclite dans le temps premier, le contraire de Hegel reprenant Fichte et Schelling après, c'est-à-dire que Kant va nous dire « j'ai limité le savoir possible de l'entendement parce que précisément, la raison, si elle peut travailler dans les perceptions, les interrogations, les enregistrements, les distinctions, les sélections du phénomène, elle ne peut pas atteindre le nous-mêmes. Le nous-mêmes, chez Kant, c'est l'essence. Donc, Hegel va réconcilier l'essence et le phénomène qui ont été brisés depuis Socrate. C'est-à-dire que avant Socrate, avec les présocratiques, la problématique phénomène-essence est liée dans une même unité radicale de logos qui se dialectise dans l'exposition infinie de sa formalisation logique. À partir de Socrate, dans le champ de cette valeur d'échange qui s'autonomise et qui produit toute l'histoire mondiale de tous les modes de production de l'aliénation jusqu'à Kant, j'ai la division qui aboutit dans une exultation kantienne, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger, critique de la raison théorique sur finalement le noumène et le phénomène sont dans une incapacité de dialogue. Et c'est la grande formule pathologique de la raison marchande kantienne. J'ai volontairement limité le savoir pour laisser place à la foi. Et Hegel, à partir de Fichte et de Schelling, qui renverse ça, nous dit, quelque part, la révolution capitaliste, qui est le point d'apothéose de toute cette disjonction socratique qui a produit Platon, qui a produit Aristote, a abouti à ce que Kant fasse production, c'est les écrits de Hegel, d'Iéna, où il dit, finalement, Kant a finitisé l'absolu, il a finitisé l'absolu, et il a absolutisé le fini. Et Hegel arrive, dans une compréhension du mouvement réel,
qui restaure toute la prévalence du logos et du dialecticos des présocratiques, et il abolit Kant, parce que finalement, Kant, c'est la réaction, c'est la contre-révolution, mais c'est la contre-révolution, c'est la réaction, c'est l'apothéose de la révolution marchande, parce que c'est tout ce qui, à partir de la dissolution socratique, platoniste, aristotélicienne, conduit à l'arraisonnement de l'humanité par le divisé qui casse la vraie dialectique. Et c'est pour ça que le mot dialectique est de plus en plus négatif. Chez Kant, la dialectique, c'est quelque part le rapport de l'illusion. Kant va positionner une linguistique négative sur dialectique. Pourquoi ? Parce que la dialectique, c'est ce qui fait péter le système de la raison marchande qu'il est en train de construire. Et il va positionner la dialectique comme un rapport à l'illusion. Parce que c'est normal, puisque l'essence des choses n'est pas accessible. Tous ceux qui dialectisent sont dans l'illusion. Donc, si vous voulez, alors il y a la réalité de cette structuration philosophique aliénatoire, mais il y a bien évidemment derrière toute l'histoire des modes de production qui nous renvoie au concept d'unité, au concept de subversion, au concept de totalité. Et donc là, tout se tient parce que la dialectique, contrairement à la décomposition post-platonicienne, ce n'est pas un art d'argumenter subjectiviste. La dialectique, c'est le mouvement réel qui se parle en nous. Donc, qu'est-ce que le logos ? Le logos, c'est la richesse du monde, et le logos, c'est notre parole quand elle est riche et qu'elle dit la richesse du monde. Il n'y a pas de séparation. Et de Parménide à Hegel, et on le verra plus tard jusqu'à Marx, il y a une unité dialectique radicale entre le penser et le monde. Penser, c'est dire le monde. Mais c'est dire le monde tel que le monde se dit en nous. Il n'y a donc pas de séparation, et c'est une même unité organique qui dit la richesse cosmique et historique de l'unité de la substance mondiale. D'ailleurs, si Kant fait cette erreur-là, justement, il limite la raison pour une raison qui est complètement contre-révolutionnaire, au final, une raison presque conservatrice et antinomique à la notion même de dialectique, c'est aussi parce qu'il incarne son temps et il est plus que protestant, il est cohérent dans cette révolution bourgeoise encore ambivalente. C'est-à-dire que pour Kant, bon, pour l'esprit protestant, il y a Dieu qui est à l'extérieur du monde. Dieu ne peut pas s'incarner. Et surtout, on rentre en lutte contre l'Église de l'incarnation, de l'imposture, puisque l'Église est forcément la négation du message originel du Christ. Mais en même temps, on conserve cet aspect de contrôle social qui fera ambivalence, notamment dans la Révolution française, c'est-à-dire qu'on dépasse, en particulier dans les zones... Alors, le protestantisme, c'est quand même une religion qui montre un certain conflit de classe, c'est-à-dire que c'est les villes portuaires, maritimes, fluviales. On commence à rentrer en lutte, quelque part, dans un mode religieux, sur un front de classe qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que la lutte protestante, c'est une lutte de classe. Et Kant est le reflet philosophique de cette lutte de classe qui n'est pas encore jusqu'au bout du bout, puisqu'on n'est pas encore dans cette explosion que sera la révolution de 1789. Et ce qui fait que Hegel ne peut surgir qu'à ce moment donné, et qu'il ne peut pas surgir, par exemple, disons en 1648 en Angleterre ou à Florence avec le début des manufactures, c'est parce qu'à partir d'un seuil, la dialectique ne peut surgir qu'à un seuil donné de contradiction qui fait que le monde rentre définitivement dans une forme de révolution permanente. C'est-à-dire que le manifeste du Parti communiste théorise la bourgeoisie comme la classe la plus révolutionnaire qui soit, on rentre dans une période qui est constamment révolutionnaire. On ouvre un champ possible. Et c'est parce que 1789 ouvre ce champ possible de la constante négation, de la négation nécessaire, que justement Hegel, en reflet philosophique de cette révolution française, pourra abolir Kant et retourner d'un point de vue rationnel, même si c'est encore recouvert de mysticisme, dans un système qui retourne au présocratique dans l'exposition du devenir du tout. Et dans le même temps, Hegel renverse Kant parce que quelque part, Kant est allé au bout de la division possible dans la pensée. C'est-à-dire que après Kant, comment diviser encore plus le monde et le chosifier, c'est même plus possible en fait, quoi. Non, allez-y.
Non, après, j'allais passer sur la suite et faire un petit saut du coup dans le 20e, dans le 20e siècle sur qu'est-ce que du coup ensuite l'école de Francfort, pourquoi surgit-elle au début du 20e et que nous indique-t-elle des forces productives de l'époque? Alors, je vais répondre à votre question, mais je voulais reprendre un truc qu'a dit Charles qui est important quand il dit que Kant est incapable de saisir l'incarnation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu tout un débat pendant les guerres de religion sur la présence réelle du corps du Christ dans l'Eucharistie. Et ce n'est pas un débat purement symbolique. Il renvoie à la dialectique des forces productives et il renvoie à la dialectique des forces de la réalité de classe, de l'aliénation et de l'anti-aliénation. Pour les christiques archaïques, le moment de la communion est considéré comme une transsubstantiation, c'est-à-dire que le corps du Christ est véritablement présent dans la communauté insurrectionnelle du partage. Le corps du Christ est là. Parce que comme l'incarnation est tellement puissante dans cette dialectique du vivant du divin, qui est devenu le fils du divin et qui est devenu l'esprit du divin, une communion christique radicale, ce qu'a continué le catholicisme dans une forme métaphorique particulière, le corps du Christ est là. Pour les protestants et en particulier pour les calvinistes, puisque Kant a mi-chemin des cheminements méthodistes et piétistes est un calviniste dérivé, la présence du Christ au moment de l'office n'est que symbolique. Donc, si vous voulez, il faut comprendre que le protestantisme est un retour au judaïsme, que le protestantisme, dans toute la lancinance des textes vétérotestamentaires, est un retour à la Torah de servitude, et que même s'il emprunte de manière extérieure et artificielle le texte de l'Évangile, il est une vaste rétrogradation. Et alors on en parlera peut-être dans d'autres émissions, mais qu'est-ce que la messe dans le contenu subversif de l'imaginaire des luttes de classe? Quand un chrétien archaïque vous dit au moment de la messe, la présence du Christ à travers le pain et le vin est là, matériellement, charnellement incarnée, et qu'un protestant vous dit, mais non, 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 il n'est pas là, c'est simplement un rituel symbolique. Ça dit plein de choses. Et donc, ça nous renvoie aux luttes de classe, ça nous renvoie aux guerres de religion, ça nous renvoie au développement du capital. C'est-à-dire que, certes, le capital a connu des formes archaïques premières, dans le développement d'une rente foncière catholique, mais le grand accélérateur du judéo-protestantisme de la révolution capitaliste, c'est Amsterdam. C'est Londres, c'est pas Palerme, c'est pas Rome, et c'est pas Narbonne. Donc, Kant, la structuration piétiste, l'anti-incarnation, le fameux j'ai limité l'entendement pour laisser place à la foi. Alors, dans une forme contemporaine, limiter l'entendement. C'est toute la problématique de l'infini, de l'incarnation qui revient dans l'insurrection. Parce que l'insurrection du désir, l'insurrection de l'amour, c'est l'infini qui travaille dans une incarnation radicale qui fait péter toutes les structures de servitude. Pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait incarnation dans l'infini. Si je suis dans la Torah de soumission ou dans la Houma de servitude, la ligne de classe, la ligne frontière, la ligne de servitude, elle est posée. Il y a le monde de la maîtrise supérieure et il y a le monde des hommes. Et le divin ne peut pas s'incarner. Donc, derrière la problématique de l'incarnation telle qu'elle est posée par Hegel, telle qu'elle est reprise par Marx dans les manuscrits de 44 ou telle qu'elle est reprise par Engels dans l'histoire du christianisme primitif. Il faut bien comprendre que la problématique de l'incarnation telle qu'elle est produite par les évangiles, c'est une problématique décisive du logos qui fait dialecticos, parce que c'est précisément parce que l'infini entre dans la chair de chacun d'entre nous, qui est fini, mais qui n'est pas que fini, puisqu'il reçoit l'infini, qui a une insurrection qui permet
la redéfinition logique de l'universel. Qu'est-ce qui fait que le message du Christ est radicalement révolutionnaire contre le Coran qui va venir nous restaurer la vieille pensée juive d'avant et contre la vieille Torah? C'est que par l'incarnation, le divin devient humain et l'humain se fait divin. Et ce dialogue entre le fini et l'infini, entre le divin et l'humain, il fait de l'homme le sujet créateur de son histoire. Il abolit les prédestinations de soumission. Il abolit toutes les fatalités passives. Et on rebascule sur Bordiga, quand Bordiga nous dit le communisme, dans sa compréhension dialectique du déterministe, est précisément l'antithèse de la passivité. La passivité juive, la passivité coranique, la passivité bouddhique, la passivité shintoïste, la passivité de tous les modes de production d'Afrique, d'Amérique, d'Orient. Quand dans l'histoire du christianisme primitif, Engels nous dit « partout, c'est immobile ». Et il reprend, alors un exemple, les contradictions sociales au Maroc entre les Almohades et les Almoravides. Et il dit « c'est un bouger qui ne fait que renverser la servitude pour améliorer une rentabilité de servitude. Mais ça ne change rien. On ne sort pas de la structuration de soumission infinie. » Et il dit qu'il y a quelque chose d'essentiel en Europe, à travers les invasions germaniques et la décomposition du mode de production romain, par justement cette infiltration de la pensée évangélique radicale qui est celle du logos et de la dialectique, il dit « là, ça bouge ». C'est-à-dire qu'il y a un seul endroit dans l'histoire mondiale où ça bouge, c'est là. Et ça bouge parce que nous sommes grecs, parce que nous sommes galiléens, parce que nous sommes christiques, et on y reviendra tout à l'heure, dans les insurrections prolétariennes de 1848, dans le manifeste communiste, il y a le fameux « ça bouge ». Engels, quand il écrit « Les origines du christianisme primitif », il ne dit pas « nous sommes les enfants du bouddhisme ». Nous sommes les enfants du shintoïsme, nous sommes les enfants des Incas ou des Mayas ou des Aztèques. Il dit non, nous sommes dans la même relation dialectique du logos primordial que les chrétiens originaires. Parce qu'il y a une dialectique qui est grecque, qui est christique, qui est insurrectionnelle, parce que par le biais de l'incarnation, Héraclite, le Christ, il n'y a pas de séparation entre le fini et l'infini. Il n'y a pas de Torah de soumission, il n'y a pas de Houma de servitude. Ce sont des impostures du monothéisme de la valeur d'échange. Et c'est la même chose pour toutes les sphères orientales, qu'elles soient shintoïstes, bouddhistes, etc. Il n'y a qu'un seul endroit, espace-temps de radicalité subversive qui a fait naître le logos de la contestation et de la redéfinition, c'est l'homme grec, qui est devenu l'homme christique parce que la Galilée est grecque et qu'à partir de là, dans le devenir des modes de production, des invasions barbares confrontées à la décadence romaine, il s'est créé en Europe à travers les communaux qui ne sont pas que les communaux de la Terre, puisque ce sont des communaux ontologiques, une subversion radicale qui redéfinit tout. Pourquoi aujourd'hui nous voulons redéfinir? Si je cherche un bouquin, je ne vais pas aller chercher un bouquin de sagesse orientale japonaise. Je ne vais pas aller chercher un bouquin de narration aztèque. Le logos, comme pensée radicale, est grec. C'est-à-dire qu'en Afrique, on parle. En Asie, on parle. En Amérique, on parle. On narre. On fait recension de mythologie. Mais on n'ouvre pas l'histoire dans une pensée critique radicale qui pose cette fameuse question grecque du ti. Le TI grec, le pour quelle raison objective, le pourquoi, je m'interroge, je remets en cause, j'avance. Dans tous les autres espaces, il y a eu des insurrections sociales, il y a eu des contestations, mais elles reproduisaient à l'infini l'ordre de la maîtrise et de la servitude. Il n'y a que le logos grec, qui bascule jusqu'en 1848 avec le manifeste communiste, qui positionne la remise en cause radicale. Le logos dit, on ne va pas réaménager la servitude, on va poser la question de la servitude pour la dépasser. Et c'est ça qui est décisif.
Alors après, du coup, il y avait l'école de Francfort. Alors, l'école de Francfort, il y a la péri-école de Francfort, il y a la para-école de Francfort, il y a ce qui arrive avant, il y a ce qui arrive après. Alors bon, c'est même pas l'école de Francfort, c'est toute la purée idéologique qui tourne dans ce XXe siècle, qui va justifier la victoire américaine du capital démocratique suite au gigantesque deuxième charnier mondial. Alors, l'école de Francfort, c'est Adorno, c'est Horkheimer, on bascule à gauche, il y a Marcuse, on monte un peu plus haut, on arrive à Lukács, on remonte encore plus haut, on peut arriver à Karl Korsch, on descend en bas, on arrive à toute une série de théoriciens qui peuvent même nous amener jusqu'au falsificateur de la critique de la valeur contemporain. C'est-à-dire que c'est un gigantesque miel mélasseux d'imposture infinie. C'est-à-dire que on a la dialectique négative, on a la critique théorique, on a plein de mots. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de Hegel. Là, on bascule sur l'école de Francfort. Il aurait fallu d'abord passer par Hegel. Mais si vous voulez, le concept de dialectique est un concept radical, subversif, intransigeant, absolument explosif. Et la dialectique hegelienne, elle a définitivement aboli toute la philosophie antérieure. Alors, Aristote est très riche. Marx dira, Aristote est très riche. Marx adore Héraclite et il considère que Aristote est très riche. Mais Aristote est très riche par rapport à ce qui va suivre. Aristote est pauvre par rapport à ce qu'il précédait. Alors, Aristote a produit une symphonie analytique sur tous les domaines. C'est une dépossession, c'est une déperdition par l'unité première, mais par rapport à tout ce qui va suivre, si vous voulez, si vous mettez Aristote à côté de Hume, Locke et Berkeley, Aristote est très riche. Mais si vous mettez Aristote, même dans sa production quantitative, par rapport à Héraclite, qui est beaucoup plus resserré, c'est pauvre. Donc, Aristote, il caresse la valeur d'échange. Ah bah oui, bien sûr. Aristote caresse la valeur d'échange, mais en même temps, comme dit Marx, il la caresse parce que dans cette gigantesque impérialité macédonienne, il y a une accélération de l'histoire de la valeur d'échange. Donc, quelque part, il est. Parce que Aristote fait partie du cercle médiatique d'Alexandre. Il est non seulement le professeur, mais il est l'accompagnateur, il est même quelque part le consultant médiatique. Donc, il est à la fois riche et pauvre, il est à la fois de véritable pensée, mais il est à la fois d'aliénation consommée. Donc, tout ça se tient. Mais pour en revenir à l'école de Francfort, si vous voulez, l'école de Francfort est ce lieu magique où Kant revient sans se dire, où beaucoup de gens parlent de dialectique. Adorno parle de dialectique, Horkheimer parle de dialectique. Ils reprennent même du Marx. Les résidus, Heinrich Fromm, Marcuse, plus au nord, on a Lukács. Mais tous ces gens-là parlent de dialectique, de réification, de critique, mais pour la falsifier. Tous ces gens-là sont ou des sociodémocrates ou des bolcheviques. Il y a, hormis Korsch, qui à un moment donné a quelques intuitions de radicalité, tout ce magma-là est social-démocratique et bolchevique. Donc, il n'y a pas de séparation, nous a expliqué Marx dans les théories, dans les thèses sur Feuerbach et dans l'idéologie allemande. Donc, tout ce magma intellectuel allemand qui va finir totalement otanisé suite à la défaite de 1945, ce n'est pas par hasard que toute cette conceptualisation est une bouillie contre-révolutionnaire et que tout ce qui va à partir de là produire ce qu'on appelle la fausse critique de la valeur contemporaine. Vous avez aujourd'hui des gens qui font une critique de la valeur, mais une critique de la valeur qui ne fait aucune critique du terrorisme, aucune critique de l'immigration de masse, aucune critique de l'imposture du coronavirus. C'est-à-dire que le capital suscite des écoles de radicalité qui sont radicales dans le nominalisme de l'imposture, mais qui font toujours écran. On voit même des gens qui sont dans cette mouvance bourbier réformiste de la critique de la valeur se masturber à l'infini sur le patriarcat du capital. C'est-à-dire que finalement, tous ces gens-là sont immigrationnistes, homosexualistes, féministes,
capitaliste vert. C'est-à-dire que l'école de Francfort est un gigantesque laboratoire de recomposition de la social-démocratie et du bolchevisme pour arriver à la merde démocratique contemporaine. Si vous voulez, vous lisez Marcuse, vous lisez Adorno, vous lisez Horkheimer, vous lisez Fromm, vous lisez toutes les périphéries, Lukács à gauche, même Korsch. Puis vous prenez Marx, vous dites, bon, alors maintenant, à gauche, il y a tout ce qu'a positionné Marx et ce qu'ont positionné les groupes radicaux communistes. Limneck, Rosa Luxembourg, toutes les radicalités subversives qui conduisent à bilan, qui conduisent à pouvoir ouvrier, qui conduisent à la vieille taupe, qui conduisent au groupe des années 80. Qu'est-ce que ce magma universitaire de masturbation pathologique a produit ? Il n'y a rien. Tous ces gens-là ont, à travers des jongleries linguistiques sur dialectique, réification, domestication, crise, repris, mais sans substance, sans lutte de classe, sans radicalité, des mots, des verbalisations. Ils sont donc antidialectiques. Et c'est précisément parce qu'ils sont antidialectiques que beaucoup ont repositionné le mot dialectique. Vous lisez le bouquin « Dialectique négative », c'est une merde généralisée qui est antidialectique. Et si elle a une négativité, c'est parce qu'elle nie la lutte de classe révolutionnaire pour l'abolition du salariat et de l'État. Donc, si vous voulez, tous ces groupes-là baignent dans un bain marxien, social-démocrate, bolchevique ou péricritique pour finalement aboutir à… Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il n'y a pas de lutte de classe radicale, il n'y a pas d'abolition de l'État, il n'y a pas d'abolition de l'argent. Il y a de vastes considérations où on pense, on réfléchit, on fait effort, on se prend la tête, on pose la joue sur la main gauche et on se pose d'infinité questions. Mais c'est la contre-révolution du capital telle qu'elle a été positionnée dans toutes les restructurations de la modernité capitaliste et sans même parler des investigations des services de l'OTAN et de la CIA qui contrôlaient toute une série d'universités allemandes où tout ce bouliboulga des années 50-60 qui reprenait la merde social-démocratique et bolchevique des années 30 était réactualisé. Donc, si vous voulez, l'école de Francfort, c'est la fausse dialectique et c'est le retour de Kant, parce que justement, on a plein de retours de Kant dans l'école de Francfort. Alors, moi je dis toujours, si vous vous réclamez de Kant, vous êtes par essence contre-révolutionnaire, parce qu'effectivement, toute l'apologie kantienne de cette limitation de l'entendement a pour objectif de ne pas nous permettre d'accéder au savoir absolu de la dialectique incendiaire qui débouche sur l'abolition de l'État et sur l'abolition de l'argent. Mais vous avez tous ceux qui ont parlé de la dialectique pour tuer la dialectique. C'est-à-dire que vous avez plein de sociodémocrates ou de bolcheviques qui parlent de dialectique, qui parle de réification, qui n'apporte strictement rien par rapport à ce que Marx et les groupes radicaux communistes ont pu produire, mais qui ont été les ministres, les larbins, les porteurs de valises du bolchevisme léniniste classique, du bolchevisme stalinisme ou de la social-démocratie. Donc, là encore, la dialectique, elle ne peut pas pénétrer le monde universitaire. C'est-à-dire que quand le monde universitaire parle de la dialectique, ça ne peut être qu'une défiguration. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai un correspondant qui me disait qu'il avait participé, on en a parlé, à plusieurs rencontres marxistes dans le sud de la France où on bosse le capital. Donc vous avez dans plusieurs villes de France des rencontres marxistes où on bosse le capital. Et il me disait, on a des lectures statiques. On a des lectures antidialectiques, c'est-à-dire que bon, on fait le livre 1, première section, deuxième section, troisième section, le livre 2, première section, deuxième section, etc. Mais la dialectique, au sens où c'est le tout qui est supérieur à la somme des parties, cette grande irrigation radicale qui fait que le logos positionne les moments contradictoires qui font que ça bouge. Il faut bien évidemment lire le livre 1, le livre 2, le livre 3, par section, par chapitre. Mais ce n'est pas ça qui nous donne la clé.
Il y a plein de séminaires universitaires qui, après cette lecture, si on pose la question, alors est-ce que le capital va mourir? Est-ce que la crise du coronavirus? Est-ce que la crise du taux de profit? Vous avez des types tout tristes qui arrivent avec un petit cahier. Et alors, ils vous lisent le truc. Ils vous récitent l'analyse de la section, l'analyse du chapitre. Ils sont gris, ils sont tristes, ils sont sommeillants. On se dit, mais où est l'érotisme? Ben, il n'y en a pas d'érotisme. Et puis, au bout de tout ça, on pose la question, alors, est-ce que le capital va s'écrouler? À quel moment? Et alors, vous avez le mec tout triste, qui est tout rétréci, qui dit, ah ben, on ne peut pas savoir, c'est compliqué. Alors, Marx a dit ça, mais en même temps, il dit ça. Il y a les tendances, mais il y a les contre-tendances. Parce que précisément, la dialectique est l'univers du logos qui fait dialecticos dans une unité supérieure. Ce qui nous donne la réponse, ce n'est pas la lecture des sections, ce n'est pas la lecture des chapitres, c'est ce que dit Marx lui-même dans sa correspondance à Engels quand il lui dit qu'il envisage un travail sur le marché mondial et un travail sur la dialectique. Il répond, c'est l'œuvre d'ensemble. Donc, je n'ai pas de réponse en lisant un chapitre ou une section. Je n'ai de réponse que dans la dialectique générale, c'est-à-dire que le procès de production est l'en-soi premier, c'est le livre 1. Le procès de circulation est le pour-soi de la réalisation, c'est le livre 2. Et puis j'ai le livre 3 qui est l'unité des deux. Donc autrement dit, la réponse, elle n'est pas dans les chapitres, elle n'est pas dans les sections, elle est dans l'unité d'ensemble d'une dialectique de jouissance, de radicalité, qui fait que au bout, et c'est là où j'abolis l'école de Francfort, c'est là où j'abolis tous les gauchismes. La question radicale de la substance dialectique de l'auto-immanence, c'est, mais alors, la jouissance, la lutte de classe, l'abolition du salariat, la radicalité, le refus de l'argent, l'explosion. Et ça, on ne le trouve pas dans un débat universitaire. On le trouve dans ce que tous les groupes ouvriers radicaux ont fait dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. Et donc, la dialectique, c'est l'unité d'ensemble d'une totalité qui fait que l'en-soi, le pour-soi, le retour à soi, fait qu'il y a un devenir. Donc, ce qui est important dans le Capital, dans les Grundrisse, dans l'idéologie allemande, dans la critique du programme de Gotha, on y reviendra tout à l'heure, dans la science de la logique, dans la phénoménologie de l'esprit, ce n'est pas le texte. C'est ce que désigne le texte. Le texte, il faut lire le texte. Si je ne lis pas le texte, je suis un âne. Mais une fois que j'ai lu le texte, qu'est-ce que j'en fais? Je sommeille dans un dogmatisme de doute pathologique infini ou je m'insurge dans une imprégnation méthodologique de saveur, de jouissance et d'extériorisation. Et là, on en revient à ce que dit Héraclite, on en revient à ce que dit Hegel, on en revient à ce que dit Marx. Ce qui compte dans le mouvement réel, ce n'est pas ce que dit le texte, c'est ce qu'indique le texte et ce qui, par-delà le texte, fait jonction vers l'être générique. Charles, tu voulais en rajouter une couche sur les universitaires ou... Non, mais on peut faire un petit parallèle et ça va nous renvoyer après à Hegel. C'est-à-dire que, bon, alors, tout le monde dans le scléron du capital est kantien. Il y a des kantiens qui sont un peu plus transparents dans leur imposture, en particulier Malthus, qui est comme Kant, un protestant fou. Et il y aura des correspondances entre Malthus et des économistes américains qui, quelque part, en décalage par rapport aux économistes classiques que Marx, dont Marx utilisera pour justement aboutir sur la critique de l'économie politique. C'est Malthus qui justement correspond avec ces gens-là en disant, et vous vous rendez pas compte, la détermination du temps de travail, enfin de la valeur par le temps de travail, vous faites le lit des communistes. Et dit, il faut limiter, parce que vous travaillez pour la révolution, vous faites rentrer le loup dans la bergerie. Et ce qui se passe vraiment à partir, la différence entre Kant et Hegel, c'est qu'à partir de Hegel et la Révolution française, on rentre dans une période complètement révolutionnaire, dans une constante révolution dans le thanatisme de la marchandise, mais révolution quand même. C'est-à-dire qu'à partir de 89, le capital, en tant que substance universelle d'aliénation, produit une dynamique interne qui fera son auto-dépassement et son auto-négation. Et ça, Hegel, en tant qu'il récolte quelque part la Révolution française cohérente, c'est-à-dire entièrement révolutionnaire, il sera le phare impersonnel qui fera rentrer
l'autonégation et quelque part la méthodologie révolutionnaire, il fera rentrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'il fera rentrer la révolution dans cette compréhension de ce qu'on a appelé alors la philosophie spéculative ou la métaphysique, parce que justement depuis les présocratiques, la phoussis grecque, dans son absence d'objectivation historique, parce que justement il faut un processus de réification pour pouvoir la retrouver en système rationnel, quelque part la phoussis, elle a été laissée en bas de la porte. On ne parle même plus de phoussis, on parle de métaphoussis, puisqu'on parle d'une communauté organique qui est absente. C'est-à-dire on ne parle plus de l'étang, on ne parle plus de l'être, de ce que les hommes dans leur logos peuvent concevoir dans leur vie organique. On parle de quelque chose qui n'est plus là. C'est-à-dire et Hegel, en tant qu'il retourne à ce plus-là, mais en tant qu'il le saisit dans un tout rationnel par rapport à la Révolution française, justement retourne sur cette notion que le tout, c'est l'automouvement de la totalité compris dans son essentialité, mais en même temps dans son noyau rationnel, puisque l'histoire revient toquer à la porte par la dialectique de l'histoire. Donc c'est dans la pensée d'Hegel, et je pense qu'on en reviendra après quand on va parler de Marx, il y a déjà le noyau rationnel révolutionnaire. Et en parlant de cet automouvement qui n'est plus ou moins compris, en fait, la question d'après, c'était à propos de Proudhon. Proudhon, pourquoi Proudhon exprime-t-il l'incapacité totale à la dialectique? En quoi sa pensée n'est pas dialectique? Et en quoi la dialectique est la négation radicale de tous les proudhonismes? Alors, je vais relier le cheminement de Charles à la question que vous positionnez. C'est-à-dire que c'est une banalité de dire que l'histoire est mouvement. Il y a de l'histoire parce qu'il y a du mouvement. Si l'histoire n'était pas mouvement, elle ne serait pas histoire. Donc, on serait resté à un moment donné statique, irréversiblement statique. Or, l'humanité, elle bouge. C'est ce que dit Engels dans le texte sur les origines du christianisme primitif, et c'est ce que nous tous nous constatons. Entre le néolithique et maintenant, ça n'a pas cessé de bouger. Donc, qu'est-ce qui fait que ça bouge? Ça bouge en Europe, du moins. Ça bouge partout, parce que même si la société chinoise ne bougeait pas, du jour où l'Europe, avec ses canonnières, dit Marx, a fait péter les enfermements de la société statique chinoise, elle s'est mise à bouger. Et aujourd'hui, la Chine s'est développée dans un capitalisme commercial et industriel qu'elle n'aurait jamais pu imaginer si les canonnières européennes n'avaient pas été cassées, le vieux mandarinat du despotisme oriental classique. Donc, ça bouge. Alors, la question, pourquoi ça bouge? Et alors, Hegel et Marx, reprenant les présocratiques, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre Platon, Aristote et Kant, ça bouge, mais ça bouge lentement. Ça bouge. Il est évident que entre la société européenne classique du XVIIe siècle et la société médiévale du XIIIe siècle, il y a eu de gigantesques mouvements et de gigantesques fractures. Mais c'est un temps long, et c'est un temps long qui s'est quelque part organisé dans un temps rétréci. La Chine, l'Afrique, l'Amérique, c'est loin. Donc ça bouge lentement dans un temps rétréci. Et donc, alors Kant va être le premier à délirer sur une histoire cosmopolite, parce que Kant représente la phase première de la Révolution, qui est donc profondément bourgeoise, alors que Hegel représente le temps 2 de la Révolution, où la bourgeoisie positionne les conditions historiques pratiques de son auto-invalidation, même si c'est pour plus tard. Même si c'est pour plus tard. Mais donc, l'histoire existe. L'histoire, elle... Alors, si vous prenez... Alors, là encore, on revient au Christ, à l'incarnation et aux Grecs. Il n'y a pas d'histoire chez les Juifs. Il n'y a pas d'histoire chez les Chinois. Il n'y a pas d'histoire chez les musulmans. Il y a un mouvement social dans la Oumma de servitude, il y a un mouvement social dans la Torah de soumission, il y a un mouvement social dans la Chine impériale ou dans le Japon féodal, ou même dans l'Inde classique, mais c'est un bouger qui reproduit cycliquement la même domination par rapport aux normes de l'extériorité divine. Autrement dit, les hommes bougent.
mais ils accomplissent de manière passive la reproductibilité nécessaire. Ils se créent avec les Grecs et avec le Christ dans le refus des royaumes de ce monde, une transcendance radicale qui dit à l'homme, tu peux transformer ton histoire. Et ça ne se dit pas ailleurs, ça ne se dit que là. Et c'est dans cet acte de transformation de l'histoire, dans une perspective anti-aliénatoire, comme dans une perspective aliénatoire à travers les modes de production, que ça bouge en Occident, au travers d'une rente foncière spécifique qui est une rente foncière ouverte. Et pourquoi ça bouge? Ça bouge parce que chaque posé-là est une structuration de l'opposé à lui-même. Le temps despotique oriental fait que le village hindou autour du Gange, dans la communauté centralisé, despotique, étatique, ne bouge pas. Et il ne peut pas bouger parce que la rente circule en circuit fermé et que les structurations idéologiques, politiques et religieuses qui en découlent ne peuvent pas bouger puisque la rente ne bouge pas. On a travaillé le temps féodal européen, parce qu'il y a une féodalité japonaise, mais la féodalité japonaise n'est pas la féodalité européenne. Dans la féodalité européenne, il se crée quelque chose dans les spécificités radicales de la rente foncière, des caractéristiques qui résultent des invasions germaniques sur la décomposition romaine, à travers le domaine seigneurial, à travers les communaux, des entités contradictoires, des dialectiques oppositionnelles qui font que ça bouge. Et puisque ça bouge, la question qui est posée, c'est pourquoi ça bouge, comment ça bouge et où va le bouger ? Et le bouger est posé dialectiquement. Qu'est-ce que la dialectique ? La dialectique, c'est que toute thèse, toute thésis qui est posée là, a son antithésis. C'est-à-dire que toute position est pas simplement une position. Elle est en même temps la position d'une production qui, au moment même où elle pose cette production de position, produit l'opposition. Alors, on l'a vu dans les réunions théoriques qu'on a fait sur le temps féodal, le temps mérovingien, contrairement au temps des Upanishads, n'est pas un temps statique. C'est un temps dynamique dans le cadre des contradictions dialectiques de la rente foncière germanique et de la rente foncière romaine qui se sont rencontrées dans une synthèse qui a fait production d'un temps ouvert. À un moment donné, le temps mérovingien, qui est complètement fermé, en autarcie totale, ouvre le temps carolingien d'une autarcie limitée. Et cette autarcie limitée ouvre des autarcies de plus en plus ouvertes qui vont produire le temps ouvert d'une féodalité qui va produire les foires de Champagne, qui va produire les foires du Midi toulousain, qui va produire une ouverture sociale d'une féodalité qui va vers le temps contemporain. Donc, ça bouge, mais tout bouge à partir de ce qui est là. Il y a dans ce qui est là des contradictions qui font que ce qui est là, à chaque seconde, n'est plus tout à fait ce qui était là. Et ça bouge, ça se déplace, ça avance, ça se transpose, ça se métamorphose. Et le temps de l'art roman, à un moment donné, se pose, s'oppose, se contre-oppose et produit une dialectique historique. C'est ça la dialectique. La dialectique, c'est que tout a lieu dans le logos historique du monde qui avance, dans sa propre autoproduction immanente. Le gothique n'est pas sorti de la tête des hommes. Le gothique est sorti de la tête des hommes en un temps donné, dans une matérialité sociale et historique qui faisait que le gothique allait s'imposer comme abolition du temps roman. Mais le temps roman allait être aboli par le temps gothique, parce que la formalisation sociale féodale du temps gothique allait supplanter le temps roman. Mais c'est le temps roman qui a produit le temps gothique, parce que le temps roman, c'est lui-même auto. Et cette richesse conceptuelle du logos, c'est ce qui n'arrête pas d'avancer. Et c'est ce qui n'arrête pas d'avancer au moment où ça explose dans la révolution de 1789, qui n'est que l'aboutissement de la révolution anglaise de 1648,
puisqu'on l'a vu, c'est ce que nous dit Marx dans la Gazette Rhénane, la Révolution anglaise n'est pas une Révolution anglaise, la Révolution française n'est pas une Révolution française. Certes, ça a lieu en Angleterre, certes, ça a lieu en France, mais c'est la production de la dialectique des forces productives. Et la grande loi dialectique, la grande loi dialectique qui est positionnée dans le Capital, dans les Grundrisse, dans l'idéologie allemande, et qui fait l'articulation déterministe du temps historique, c'est qu'il existe, un devenir des forces productives. Et puisque c'est un devenir des forces productives, je suis à la synthèse des présocratiques et de Hegel, puisque c'est un devenir de forces productives, ce sont des forces de dynamisation historique et sociale. Et à chaque seconde, ça bouge. À chaque seconde, ça avance. L'artisanat à Lyon en 1350, dans les corporations, ce n'est pas l'artisanat à Lyon en 1660 dans les mêmes corporations. Les corporations ont bougé, elles se sont développées, plein de choses se sont transmutées. Donc, l'histoire est devenir. C'est le Pantarei Héraclité I qui, positionné dans la science de la logique et dans la phénoménologie, nous dit « l'être est le devenir de l'histoire de l'être ». L'être est le devenir de l'histoire de l'être. Et c'est ça la dialectique. Et avoir une dialectique analytique, critique, radicale, ça n'est rien d'autre qu'être au diapason de la dialectique du mouvement réel. Si aujourd'hui, en 2020, nous sommes en capacité d'avoir une analyse radicale sur la crise du taux de profit, sur la décadence du capital, sur la saturation des marchés et sur le mensonge étatique mondial du coronavirus, ça ne sort pas de nos têtes. C'est le mouvement réel qui se dit lui-même dans le hiéroglyphe de son existence, au sens de la première section du Capital. Et ce que nous disons est vrai, parce que le siège du vrai n'est pas notre cerveau. Ce que nous disons est vrai parce que le siège du vrai est le mouvement réel, que nous l'accueillons et que nous faisons œuvre à partir du logos, du dialecticos. Donc, l'histoire existe parce que ça bouge parce que toute position est une opposition, que toute opposition revient à elle-même. Le gothique, c'est le gothique qui va me permettre de comprendre le roman. Le roman est un posé historique qui, dans les contradictions sociales d'une féodalité qui se déploie, va produire l'art gothique. Et l'art gothique, progressivement, va se décomposer et dans la longue durée qui va faire suite, je vais progressivement arriver à un âge baroque et à un âge classique. Mais c'est parce que le gothique s'est déployé que le mouvement de l'histoire, dans sa dialectique objective et dans sa dialectique de réflexion, va me permettre de revenir au roman et de positionner la différence fondamentale entre le roman et le gothique en tant que le roman est bien l'articulation esthétique essentielle d'un mode de production féodal en un temps donné, alors que le gothique est l'articulation d'un mode de production féodal en un temps donné. Et qu'à partir de là, je comprends que le roman est un arc historique dans une féodalité qui est encore profondément rurale, alors que l'art gothique se structure dans une société urbaine qui fait jaillissement de la société bourgeoise. Donc, la dialectique, c'est ça. La dialectique, c'est la compréhension du mouvement réel, parce que tout ce qui se passe dans le mouvement réel est dialectique, position, opposition, recomposition, et que tout est contenu dans le parcours déterminisme de ce qui advient. Et si moi je dis des choses essentielles et que j'ai pertinence à les dire, c'est tout simplement parce que dans ce positionnement tel qu'il a été positionné par les présocratiques, repris par Hegel et repris par Marx, le logos de ma pensée épouse le logos du mouvement réel. Et quand on ne comprend pas ça, nécessairement, on éternise, comme Proudhon le fait, les catégories de l'économie politique. Alors, ça, voilà, alors j'avais oublié ça entre-temps. C'est-à-dire que Proudhon fait du kantisme misérable. C'est-à-dire que le grand fantasme de Proudhon, c'est que les oppositions doivent être éternisées positivement dans un équilibre de recomposition. Parce que une fois que j'ai positionné que toute l'histoire de l'humanité, c'est un posé qui produit un opposé, qui produit un recomposé. J'ai toute l'histoire de l'humanité. L'humanité,
c'est le posé de la révolution néolithique qui, à un moment donné, a rompu avec toutes les communautés traditionnelles de l'anti-argent et de l'anti-État. L'autonomisation de la valeur d'échange dans le cadre de la révolution néolithique a produit le posé de la révolution néolithique. Le posé de la révolution néolithique, dans sa forme première, dans sa forme embryonnaire, c'est nier dans une forme étendue infinie qui a produit le féodalisme, qui a produit le mode de production capitaliste et qui produit le capitalisme contemporain dans sa crise cataclysmique, telle que ça produit les manipulations terroristes étatiques du mensonge du coronavirus. Mais tout ça, si je ne le comprends pas d'un point de vue dialectique, comment je le comprends ? J'additionne des séquences de manière hétéroclite et statique. Ah ben là, il y a ça, ben là, il y a ça, là, il y a ça. Sauf que si j'ai une vision dialectique, reprenant Hegel, reprenant Marx, je comprends que tout se développe à partir de cette révolution néolithique, parce que depuis le néolithique, toute l'histoire dialectique du monde qui de séquence en séquence s'abolit, c'est le développement de la valeur d'échange qui produit justement cette assomption de la domination réelle totalement réalisée. Alors, vous avez des tas de gens archaïques, rétrogrades, par exemple, qui disent la France de Saint-Louis, c'était vraiment très bien. La France d'Ancien Régime, c'était vraiment très bien. L'argent et l'usure étaient contenus. Mais l'argent et l'usure étaient contenus parce que l'argent et l'usure n'avaient pas atteint un seuil dialectique qui faisait qu'il y avait renversement. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que tout bouge. Si dans la société d'Ancien Régime, l'argent et l'usure sont contenus, ce n'est pas parce que l'argent et l'usure sont contenables, c'est parce que l'argent et l'usure n'ont pas atteint le point dialectique où elles vont précisément, dans un surdéveloppement supérieur, balayer le monde ancestral. Donc, comprendre la dialectique, c'est comprendre que tout s'abolit dans l'histoire. Tout ce qui existe dans l'histoire va mourir. Toute l'histoire de l'aliénation est faite de séquences qui s'abolissent les unes après les autres. Tout ce que nous avons rencontré depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui va s'abolir. La féodalité s'est abolie. L'esclavage antique s'est aboli. Le salariat va s'abolir. Donc, c'est la conclusion de la postface du Capital, édition allemande, qu'on va faire passer en phase terminale. La dialectique est essentiellement contradictoire et révolutionnaire parce que précisément dans ce logos qui dit la richesse du monde, qui devient la pensée de notre compréhension du monde, on comprend que tout périt. Toute structure aliénatoire est destinée à périr. Et au bout de tous ces périssements, il y a le surgissement révolutionnaire du prolétariat. Ce que Proudhon ne pouvait pas comprendre, parce que Proudhon n'exprimait pas le temps révolutionnaire qui découlait du surgissement radical des positions que Hegel avait fait surgir au moment de la révolution capitaliste de 1789. Il faut comprendre que la révolution capitaliste de 1789, c'est un moment d'aliénation fantastique, puisque c'est la démocratie du capital, c'est la dictature de la bourgeoisie qui prend le pouvoir. Mais simultanément, ça crée un monde universel qui abolit toutes les temporalités séparées. À partir du moment où il y a la révolution de 1789, il n'y a plus l'Empire ottoman, il n'y a plus l'Angleterre, il n'y a plus l'Espagne, il n'y a plus la Russie, il n'y a plus la Suède, il n'y a plus le Piémont-Savoie, il n'y a plus le Royaume de Naples. Il se constitue un sujet historique qui s'appelle l'Europe. Et quand Hegel dit à Iéna, j'ai vu passer l'âme du monde parce qu'il a vu passer Napoléon, il veut dire qu'il a vu passer l'unité universelle en mouvement de formation. À partir de la Révolution française, l'histoire devient un sujet mondial. Donc Hegel, qui représente cette première formalisation, va la formaliser d'une manière non révolutionnaire communiste puisqu'il va aboutir à l'état rationnel. Mais il y a dans la formulation de Hegel tout le devenir ultérieur de ces masses révolutionnaires plébiennes qui, pendant la Révolution, sont en train de construire le prolétariat à venir des années 1830, 1832, 1848. Donc, Hegel, Marx, c'est le moment où la dialectique redevient consciente à elle-même. Les Grecs, les présocratiques, avaient posé une dialectique et un logos qui se résumait à l'homme grec. Hegel, qui abolit Kant
en reprenant Fichte et Schilling dans une perspective révolutionnaire, abolit toute la philosophie antérieure et revient à Héraclite en nous disant « Pantarei, tout est devenir ». C'est une subversion infinie. Mais c'est une subversion infinie qui n'est que l'en-soi du temps premier de la révolution bourgeoise, du mensonge bourgeois. Il faut passer au temps 2, et le temps 2, ce sera 1848, avec le surgissement du phénomène prolétarien qui permet d'aboutir à la véritable universalité radicale qui produit le manifeste communiste et Marx. Et ça, Proudhon ne peut pas le comprendre, parce que Proudhon n'est pas dans l'anticipation subversive de l'abolition de l'État et de l'abolition de l'argent. Proudhon est un nostalgique accroché aux vestiges de ce qui disparaît. Il est donc néo-kantien. Il veut équilibrer les contradictions pour préserver ce qui peut être préservé, le crédit mutuel, la bourse du peuple, un salariat équilibré. Donc Proudhon est profondément révolutionnaire, certes, parce qu'il est, il est emmuré dans ses inconnaissances, mais il est en même temps l'expression de ce prolétariat artisanat qui est de ce prolétariat artisanal qui est en train de mourir, parce qu'il y a deux prolétariats dans les années 1848. Il y a un prolétariat artisanal qui est encore attaché au mode d'avant et qui va être balayé, et il y a le prolétariat moderne de l'absurdité absolue de l'aliénation gigantesque qui est en train de naître. Et on ne peut pas confondre un ouvrier horloger qui est encore quelque part un artisan avec le type qui se retrouve totalement sans réserve, déporté dans les usines à charbon. Il y a donc deux prolétariats. Et Proudhon représente le prolétariat quelque part kantien du rééquilibrage des antinomies. Donc il ne comprendra rien à l'abolition de l'État, rien à l'abolition de l'argent. Et il faut qu'il y ait un surgissement d'universalité supérieure à travers Marx et le manifeste communiste pour qu'on ait justement ce prolétariat révolutionnaire qui va vers l'abolition de l'État et qui produira la guerre civile en France, puis après la critique du programme de Gotha. Sur les deux prolétariats, on peut dire un peu la même chose du capital, puisque le capital est une force historique qui travaille dès la Renaissance italienne, mais il existera comme sujet historique qu'à partir de la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique, et ça c'est essentiel. Enfin, si c'est dans Marx en parle en idéologie allemande, et si Marx en parle en idéologie allemande, c'est pas non plus un détail. C'est parce que on arrive à ce moment dans le cheminement de Marx par rapport à la compréhension méthodologique. Là Marx, à partir de l'idéologie allemande, comprend et dépasse véritablement Hegel. Mais enfin, ça, c'est une aparté. Dans l'idéologie allemande, Marx détaille que une classe existe parce qu'elle s'oppose à une autre classe. C'est-à-dire que le capital, la valeur d'échange, elle travaille dans toute l'histoire depuis le néolithique. Le capital, il travaille en substance avec Amsterdam, la Renaissance italienne. Il travaille non pas dans un mode de production spécifique, mais c'est déjà une force dissolvante. Et à partir de 89, malgré le fait qu'il y ait des révolutions bourgeoises avant 89, comme 1748, il y a un opposé radical où le capital existe pour lui-même, puisqu'il commence à dire « j'ai une destination qui m'est propre et je nie ce qui était avant ». Donc on arrive à un moment révolutionnaire, on arrive à un seuil donné, où précisément le capital existe comme force d'objectivation. Mais on n'a pas encore ce seuil donné qui, face à cet objet et ce moment de réification, a produit lui-même, d'un point de vue dialectique, son autonégation, puisqu'il y aura un sujet historique qui serait l'autonégation du capital. Et ça sera 1848, et c'est le moment où justement le prolétariat, qui est justement ce second prolétariat, on pourrait dire, ou le prolétariat pour soi. C'est-à-dire que depuis les manufactures de Florence, etc., on a déjà un travail salarié qui se met en place très très lentement dans un temps long. Quelque part, on voit qu'il y a déjà des prolétaires. Marx n'a pas inventé le mot prolétaire. C'était déjà un terme qui s'était généralisé derrière une pratique sociale qui existait déjà. Mais le prolétariat, et ça on revient sur notre première émission qu'on a fait sur le communisme, le prolétariat comme sujet historique n'existait pas avant 1848, quand bien même sa réalité était présente en soi dans le devenir de l'histoire. C'est-à-dire que c'est en 1848, le prolétariat s'oppose au capital. Et c'est parce qu'il s'oppose au capital et à une autre classe qu'il existe comme sujet historique. Et ça, ce n'était pas présent dans la Révolution. On a les bras nus, on a les babouvistes, on a différentes fractions dans la Révolution française, mais on n'a pas l'affirmation d'une classe prolétarienne. Ce qui fera que Hegel ne pourra pas produire ce que Marx produira, puisque précisément il est dans une ambivalence où la négation universelle apparaît, mais sans voir l'objet
révolutionnaire qu'est le prolétariat, puisqu'il n'est pas encore devenu, il n'existe pas encore. Donc, comment Hegel aurait pu le percevoir, puisqu'il n'existait pas. Et donc, il y a toute une dialectique de seuils contradictoires entre le capital et le prolétariat qui n'apparaît qu'en 1848 et qui fera que Marx recueillera le noyau rationnel de Hegel, alors que Hegel ne pouvait pas, et quelque part, on comprend l'erreur de Hegel à partir de Hegel. Et je pense que là, on pourrait peut-être s'arrêter, parce que justement, à Proudhon, Hegel, il y a beaucoup à dire justement sur le rapport, la critique que Marx fait de Hegel, c'est-à-dire cette dialectique entre l'idéalisme, le matérialisme. Alors on dit tout et n'importe quoi sur ce sujet-là, donc peut-être qu'on pourrait faire œuvre de distinction, puisqu'on dit, et là on parlait des bolcheviques, Hegel est idéaliste, Marx est matérialiste, alors on dit que Hegel, en gros, il pense qu'il y a une idée comme ça qui se balade, alors que par rapport à Kant, il est beaucoup plus dans la compréhension du rapport social, puisque dès le départ, que ce soit la logique ou la phénoménologie débute, on a la conscience. Et la conscience, dit Hegel, par rapport à ce qu'il y a eu avant, c'est une révolution en tant que telle, il dit que c'est la conscience de quelque chose. C'est-à-dire que pour Hegel, il y a un dialogue dès le départ entre l'objet et le sujet qui pose l'individu pensant. Et dans le rapport social. C'est ça. Donc, et là, j'invite justement nos auditeurs, on a fait une petite dialectique sur notre site internet qui s'appelle L'être et le penser. On reprend, je crois que c'est Héraclite, Hegel et Marx, sur l'unité entre l'être et le penser, sur l'objet et le sujet. Et ça, c'est essentiel parce que pour comprendre en quoi Hegel est révolutionnaire, déjà, il faut lire le Hegel vrai et pas voir les Hegel à travers tous les prismes bolcheviques qui feront dire à Hegel n'importe quoi. Donc, Hegel a une approche idéaliste dans le sens où il recouvre le noyau rationnel d'une forme mysticisme et catégorielle. Mais chez Hegel, il y a déjà la compréhension du rapport social. Il ne l'exprime pas puisqu'il ne pouvait pas l'exprimer, mais c'est déjà contenu en puissance chez lui. Et pareillement, Marx a une compréhension rationnelle de ce noyau, puisqu'il retourne à travers l'idéologie allemande sur la compréhension matérielle des rapports, du rapport social, c'est-à-dire des rapports matériels de production de l'homme à lui-même, c'est-à-dire l'autoproduction de l'être générique, l'activité générique de l'homme. Mais il n'est pas matérialiste dans le sens où il y a le moulin à vent, et l'objet moulin à vent imprimerait la conscience dans l'homme du moulin à vent, c'est-à-dire que la conscience du moulin à vent chez l'homme, comme on parlait avant du livre, le livre qui imprime chez l'homme la conscience du livre, alors que c'est le rapport au livre, c'est le rapport au moulin à vent. Et c'est ce rapport sous-jacent au phénomène moulin à vent qui n'est que l'objet phénoménologique qui fait que justement c'est le rapport social qui détermine la conscience. Et c'est en ce sens que Marx est matérialiste. Donc on est loin de toutes les appréhensions bolcheviques où Lénine trouve que Hegel c'est formidable, mais pour en faire la négation la plus absolue. Et pareillement pour Marx, on le réduit à un industrieux débile, alors qu'en fait, il est dans la compréhension du rapport social, du néolithique jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas du tout dans cette compréhension où on est déterminé par les objets. L'homme s'autodétermine à travers son processus d'objectivation, qui passe par les objets, mais c'est dans le rapport social de production, et non pas dans la production en elle-même telle qu'elle produit les objets. Donc je pense que là-dessus, sur Hegel, Marx, Proudhon, et sur toutes les illusions qu'on peut avoir, on peut peut-être s'arrêter justement pour expliquer en quoi toutes les prétentions de Proudhon sur la dialectique ne sont pas du tout dialectiques, et il est très en deçà déjà de Marx, mais en plus de Hegel. Proudhon éternise les rapports de production. Proudhon éternise les catégories. Or, précisément, ce que nous apprend le Logos dans le mouvement de son déploiement dans le Dialogos, c'est que, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, tout bouge, tout change. On le voit avec le droit. Il n'y a pas de droit éternel. Chaque formation sociale produit son droit. Chaque formation sociale, en fonction de la production technique, c'est pareil. Il y a toute une mythologie sur le pouvoir de la technique. Il y a toute une série de sectes, de sous-sectes, de chapelles qui ont mythologisé la technique comme une sphère autonome. La technique n'existe pas. L'ingénierie sociale n'existe pas. L'ingénierie sociale est toujours l'ingénierie sociale d'un temps aliénatoire donné. La technique n'existe pas. Elle est toujours la technique d'un temps social déterminé. Donc, toutes les catégories, la division du travail, les machines, le rapport ville et campagne que Proudhon éternise, c'est précisément dû à un temps qui n'a pas encore intégré le développement dialectique réel de la réalité, tel qu'il va positionner une position théorique rendant possible la compréhension de cette activité pratique. C'est-à-dire que Proudhon est prisonnier d'un temps
d'avant la Révolution, ça bouge. Comme ça bouge, il préserve ce qu'il y avait avant, mais il ne comprend pas que ce qui bouge va totalement liquider ce qu'il y avait avant et donc ce qu'il défend, et que surtout, les catégories à partir desquelles il maintient un système de défense sont des catégories qui sont elles-mêmes en train de s'abolir. Mais je voulais reprendre ce que vous aviez dit, Charles, qui me semblait très important. C'était le problème du prolétariat de Hegel et de Marx. Effectivement, quand la Révolution française surgit en 1789, on a une dialectique du mode de production féodal qui, dans la longue durée, a produit la dialectique de l'abolition du mode de production féodal et donc le surgissement d'un mode de production bourgeois qui, par sa révolution capitaliste, produit les conditions de révolution capitaliste industrielle. Mais comme le dit Marx, toute révolution industrielle du capital présuppose d'abord une révolution agricole du capital pour briser les rentes foncières préalables et redistribuer les cartes de l'agencement de la formation sociale. Donc, le prolétariat existe en 1848, mais il n'existe pas en 1789. En 1789-1793, quand on a la phase révolutionnaire de la mystification de la révolution capitaliste bourgeoise, on a la fin des communautés paysannes, on a la fin des structurations de la société en ordre qui, à travers tout le temps féodal, avait constitué la société, la vieille société d'Ancien Régime. Tout ça se dissout. On a l'insurrection en Vendée, on a des tas d'insurrections de défense et de préservation des communaux. Mais on n'a pas de prolétariat. On a en ville ce qu'on appelle les plébiens. Qu'est-ce que c'est que les plébiens? Les plébiens, c'est un magma informel, intermédiaire, entre la décomposition féodale, paysanne, artisanale, et le surgissement à venir du prolétariat. J'ai le prolétariat embryonnaire en 1830, j'ai le prolétariat embryonnaire en 1832, et j'ai un prolétariat davantage formalisé en 1848, qui va se reformaliser d'une manière encore plus tangible en 1871. Et quand je parle des sections sans culottes de l'Est parisien au moment de la Révolution, j'ai des artisans, j'ai des boutiquiers, j'ai des déclassés, j'ai une masse plébienne qui est appelée à devenir du prolétariat mais qui ne l'est pas encore. Donc au moment où surgit la révolution de 1789, dans cette gigantesque acceptation kantienne et dans cette gigantesque récusation hegelienne qui positionne le dépassement, parce qu'il est là le problème, la révolution de 1789, c'est le grand moment de l'illumination cosmopolite de la marchandise. Vous savez, c'est la fameuse formulation de Kant. C'est le seul jour où il a modifié sa promenade dans son jardin de Königsberg, parce que c'était une illumination, et c'est une illumination cosmopolite de la raison marchande, du petit vieux piétiste qui tourne en rond sur son ego transcendantal. Hegel, c'est pas ça. Hegel, dans un deuxième temps, il comprend que par-delà cette structuration de la raison marchande cosmopolite, il y a un basculement généralisé qui fait péter la vieille universalité aliénatoire qui ne se connaissait pas à elle-même et qui fait surgir une nouvelle universalité qui se connaît mais qui va s'abolir. Et là est posée la question d'un sujet révolutionnaire qui s'appelle l'état rationnel, qui n'est pas révolutionnaire mais qui ne peut, dans le champ de Hegel, en fonction des formations sociales du temps, qu'être posé comme ça. Parce que justement, comme le disait Charles, le prolétariat n'est pas là. On peut pas, à partir du moment où on positionne la critique de l'universel aliénatoire vers un universel émancipatoire tel que le fait Hegel, poser la résolution de la question. Parce que la résolution de la question présuppose ce fameux sujet qui s'appelle le prolétariat, qui abolit la philosophie, qui abolit la politique, qui abolit l'économie. Et le sujet, il est en train d'arriver. On a des pages de Hegel où Hegel parle de la misère du monde, où il parle de la misère sociale, mais il ne l'a pas incarné dans une structuration politique de puissance et de force. Donc, tant que le prolétariat, et c'est ce qui se passe en 1848, dans le surgissement révolutionnaire européen, avec ce que Marx va pouvoir théoriser, tant qu'on n'a pas vécu cette période-là,
on demeure prisonnier d'une dialectique encore enfermée dans le jeu des recompositions politiques. Hegel a tout compris de l'histoire du monde. Il a tout compris de l'histoire du monde parce qu'il a compris que chaque mode de production historique, chaque mode de production culturelle, chaque mode de production économique produisait cette dialectique d'autotransformation par lequel le posé produit son opposé et que tout avance parce qu'il y a une immanence déterministe dans la conflictualité de ce polémos, parfois tragique, parfois comique, qui fait que chaque posé produit un opposé. Mais ça ne peut pas déboucher sur autre chose que l'état rationnel. Pour que cette dialectique soit renversée d'un point de vue subversif, il faut que le prolétariat lui-même vienne la renverser. Et Marx le dit, le mouvement réel dialectique que nous, Ligue des communistes, dans la Première Internationale, nous positionnons vers l'abolition de l'État, vers l'abolition de l'argent, c'est le prolétariat qui nous l'a imposé lui-même dans son irruption sur la scène de l'histoire. C'est parce que le prolétariat apparaît sur la scène de l'histoire que Marx et Engels abolissent la théorie hegélienne dialectique de l'état rationnel, mais ils ne l'abolissent pas dans un jeu intellectuel. Ils l'abolissent dans une pratique subversive radicale. C'est pour ça que je rappelle ce que je disais tout à l'heure, comment lire l'idéologie allemande, comment lire le Capital, comment lire les Grundrisse. On ne lit pas des paragraphes, on ne lit pas des chapitres. On intègre par-delà la lecture des chapitres, des sections, des passages, l'unité supérieure. On en revient à Hegel qui nous renvoie au présocratique et qui nous renvoie à ce que dit Marx dans l'idéologie allemande. Le tout est supérieur à la somme des parties. Donc, le Capital livre 1, le Capital livre 2, le Capital livre 3, ça va nulle part. C'est parce que précisément, il y a un acte d'engagement ontologique supérieur en tant que totalité dialectique à la somme des parties que j'ai la réponse, révolutionnaire. Vous avez plein de gens qui lisent la baisse du taux de profit dans le livre 3, ça ne réveille rien en eux. Oui, il y a des contradictions, le Capital, c'est difficile, le Capital, il n'arrive pas à marcher, mais on ne sait pas vraiment s'il va tomber, puis s'il doit tomber, on ne sait pas vraiment quand ça se passera, parce que justement, il n'y a pas cette vision dialectique. On lit le Capital, qui est un texte où Hegel a dépassé Hegel par Marx, qui a dépassé Marx, comme si on lisait un texte kantien. Et du coup, je rebondis, parce que vous parlez de la lecture, et on sait que Lénine avait lu Hegel et Marx. Et Lénine disait même qu'on ne peut pas comprendre totalement le Capital de Marx, et en particulier son chapitre premier, sans avoir beaucoup étudié et compris la logique de Hegel. Alors, en plus, il parle du premier chapitre, celui qui contient le passage sur le fétichisme de la marchandise. Alors la question d'un de nos correspondants, c'était comment Lénine peut-il produire le bolchevisme après avoir lu Hegel et Marx, et en quoi le bolchevisme est-il une imposture ? Parce que préciser, alors on revient en présocratique. Il y a deux lectures, il y a deux consciences, il y a deux amours, il y a deux beautés, il y a deux cuisines, il y a deux richesses. Il y a toujours la conscience vraie et la conscience fausse. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je suis kantien, je suis par essence contre-révolutionnaire. Mais si je me réclame de Hegel, je peux être révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Et d'ailleurs, toutes les faunes dont on a parlé tout à l'heure autour de l'école de Francfort qui avaient pianoté du Hegel à la périphérie d'une inculture généralisée étaient social-démocratiques ou bolcheviques. Donc, les notes de Lénine sur Hegel, elles sont excitatives sur le fait que ça bouge, sur le fait qu'il y a des contradictions. Et donc, à un moment donné, dans cette excitation, l'impérialisme, qui est donc le stade suprême du capitalisme, va tomber. Mais la dialectique Hegel, c'est pas que les choses qui sont debout tombent, c'est que les choses qui sont debout tombent dans un automouvement révolutionnaire qui fait que quand la conscience du prolétariat surgit, elle est un automouvement. C'est-à-dire que si le logos,
Si la dialectique du logos s'incarne dans une compréhension subversive qui, des présocratiques à Hegel jusqu'à Marx, s'incarne bien dans la dialectique des forces productives du conflit radical entre l'aliénation et l'émancipation a lieu, j'en reviens à ce que dit Marx dans l'idéologie allemande quand il dit « il y a une différence essentielle entre la révolution bourgeoise et la révolution prolétarienne », c'est que la révolution bourgeoise produit un mode d'aliénation supérieur, alors que la révolution prolétarienne produit le mode de production d'abolition de l'aliénation. Donc le mode de production de l'aliénation, c'est le surgissement au terme du logos qui s'est développé dans la dialectique infinie des forces de production, comme le surgissement de l'autoconscience, comme le surgissement de l'automouvement et donc de l'antimédiation. C'est-à-dire que tous ceux qui ont lu Hegel pour ne retenir que le chaos précipitationnel, thèse, antithèse, poum, à un moment donné, le capital tombe. Mais que le capital tombe et qu'il y a un parti qui représente le prolétariat pour gérer l'état du capital qui est tombé et pour produire autre chose qui ne serait pas le capital qui est tombé, sont dans un statisme néo-kantien qui vient infecter une matrice faussement hegelienne pour produire précisément le contraire de ce qui fait Hegel dépassant Hegel et ce qui fait Marx dépassant Marx. Puisque au terme de la dialectique, telle qu'elle est positionnée par Hegel, telle qu'elle est reprise par Marx et telle qu'elle positionne Marx au-delà de Marx, en fonction des luttes de l'automouvement du prolétariat contre l'argent et l'État, et c'est là où on en revient toujours à la même question. Je peux lire le Capital et les Grundrisse à l'infini. Si ce n'est pas vivifié par l'abolition de l'État et de l'argent, je peux sombrer dans une désespérance infinie en disant « Ah bah, la baisse du taux de profit, c'est bien joli, les contre-tendances, c'est bien joli, mais c'est compliqué, on n'est pas sûr que ça marche, peut-être que le capital va tout bouffer jusqu'à la fin des temps. » Parce que ce n'est pas irrigué, parce qu'il n'y a pas cette dialectique de la jouissance, de la compréhension, de l'anti-noumen kantien, de cette substance unitaire entre le sujet et l'objet qui fait que le sujet de l'histoire, c'est la substance mondiale de l'immanence subversive. Et donc là, Hegel offre un champ de radicalité qui, compte tenu de son époque, bute sur l'état rationnel, ce qui est normal. Marx reprend ce cheminement et l'abolit. Et dans la guerre civile en France, en fonction du mouvement réel, il positionne enfin la dictature anti-étatique du prolétariat qui abolit l'État et qui abolit l'argent. Mais le retour de Lénine, enfin Lénine qui arrive, c'est la reprise de Hegel et c'est la reprise de Marx pour produire l'antithèse, parce qu'il y a cette dimension dialectique essentielle qui échappe, qui est l'automouvement. Quelle est la structuration essentielle du devenir le plus extériorisé de la dialectique? C'est l'automouvement. Et la phrase « l'émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires eux-mêmes », ça n'est rien d'autre que la concrétisation dialectique de ce qu'est la conscience. Il y a la conscience de l'extériorité adjugée et il y a la conscience de l'immanence accomplie. La vraie conscience, parce que le débat de Marx contre le capital à travers la Première Internationale, ce n'est pas la conscience. On en revient au présocratique, on en revient à Hegel. C'est la vraie conscience. Plein de gens ont une conscience qui est fausse. Plein de gens ont une conscience qui est aliénatoire. Le débat central, l'objet de la conscience, c'est la conscience vraie. C'est le plaisir vrai. C'est la jouissance vraie. C'est l'émancipation vraie. C'est donc l'automouvement de vérité par lequel l'humanité retrouve Capital, Grundrisse, manuscrit 44, l'être générique au terme de la crise radicale du capital, quand la baisse du taux de profit accomplit son cycle terminal, que le capital s'invalide, et là, on est dans une dimension dialectique essentielle, c'est parce que le capital s'auto-invalide que le prolétariat s'auto-abolit, et c'est parce que le prolétariat s'auto-abolit qu'il surgit en autoconscience et auto-mouvement. Et là, Lénine à la poubelle, le bolchevisme à la poubelle, la CNT à la poubelle, les trotskistes à la poubelle, les maoïstes à la poubelle. C'est-à-dire que toute conscience qui viendrait de l'extérieur est antidialectique. C'est donc une fausse conscience. La vraie conscience est l'immanence de l'automouvement accompli dans la substance extériorisée de la conscience pratique
d'une lutte de classe qui va au bout d'elle-même dans l'acte d'émancipation qui produit précisément l'Alliance internationale des travailleurs, ni César ni Tribun, auto-mouvement du prolétariat. Donc, on peut imaginer plein de clowns qui pianotent sur Hegel, mais qui pianotent sur Hegel jusqu'où? Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit les textes de Lénine sur Hegel, ce sont des textes métaphysiques, ce sont des textes pathologiques, d'équations dialectiques, totalement dénués de toute incarnation charnelle, érotique et subversif. Ce sont des équations formelles, ce sont en quelque sorte des algorithmes étatiques. Donc, on peut parler de Hegel pour produire de l'anti-Hegel. Et d'ailleurs, on entend sans arrêt parler des gens, de Marx, pour produire de l'anti-Marx. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre parler de Hegel et parler de Marx, ou parler dans la poursuite dialectique de Hegel et de Marx, dans leur richesse et dans leur incarnation dialectique? Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la lecture du Capital, des Grundrisse ou d'autres choses. Qu'est-ce qui anime ma lecture? C'est l'automouvement de l'émancipation humaine pour éradiquer l'État ou l'argent, ou c'est un lieu de pouvoir, de schizophrénie universitaire, de pathologie distractive, de cinématographie déambulatoire, d'EHPAD lamentable? C'est-à-dire que, est-ce que je viens distraire le néant de ma volupté? Est-ce que je viens distraire le néant de ma volupté? Lisez la vie de Lénine. C'est l'anti-jouissance, c'est la grisaille, c'est la tristesse. La révolution est un érotisme. Lénine, compte tenu de ce qu'il est dans le rapport social de production de Lénine, il ne peut pas découvrir une jouissance d'Hegel dépassant Hegel et de Marx dépassant Marx. C'est un flic, c'est un geôlier qui se balade avec les clés des prisons. Puis il est là dans le texte, puis il patauge dans le déambulatoire de l'incarcération. Donc, lire un texte, ça n'a pas d'intérêt si ça n'est pas illuminé par une ardeur, une jouissance, une saveur. On peut passer des mois et des mois à lire les Grundrisse chapitre après chapitre. Puis à la fin, on sera gris, on sera morose, puis on dira « Ah oui, c'est intéressant, mais finalement, on ne sait pas bien où ça va. » Si par contre, on est incarné dans la dialectique qui est une volupté, parce que la dialectique est une connaissance, parce que c'est le logos, mais c'est le logos parce qu'il y a Eros, et c'est le logos parce qu'il y a Eros, parce qu'il y a cette trajectoire où le fini et l'infini se conjugue en permanence dans la satisfaction du désir et du plaisir. Donc, faut bien comprendre que la dialectique, c'est la compréhension de tout le champ historique, de toutes ces positions et de toutes ces oppositions qui nous amènent à la crise ultime du capital. Mais ce n'est pas un savoir froid, c'est une jouissance de l'être générique. Il n'y a pas d'un côté les manuscrits de 44, ah, l'être générique, c'est bien, on va jouir. Puis de l'autre côté, le Capital, ah, on va labourer du texte. Non, le texte se laboure dans la jouissance des manuscrits de 44, et les manuscrits de 44 s'épanouissent dans une jouissance qui fait qu'au bout du Capital, il n'y a pas un doute pathologique sur on ne sait pas où on va, on sait où on va dans l'émancipation voulue de l'être générique qui théorise, qui positionne la crise terminale de la baisse du taux de profit, qui est le moment ultime, qui est le moment ultime de la dialectique. Parce que la dialectique, il y a une dialectique embryonnaire au paléolithique, mais la dialectique, finalement, dans sa formulation la plus accomplie en termes de mode de production historique, de signification et de formalisation, c'est la révolution néolithique de la valeur d'échange. C'est à partir de là que le posé qui s'oppose, qui se recompose, produit le grand mouvement historique des négations successives. Et au bout de toutes ces négations successives dialectiques, il y a la crise terminale du capital, il y a la crise de l'équivalent général abstrait, et il y a la folie du coronavirus qui avoue, alors on en reparlera dans notre émission d'actualité, qui avoue que la mise en jachère et le temps dialectique supérieur, final et terminal de toutes les compositions antérieures, qui dit qu'à ce moment-là, le capital est en train de s'auto-invalider comme formulation dialectique totalement extériorisée de son parcours désormais devenu impossible.
Et ça nous mène à l'avant-dernière question de nos correspondants sur en quoi cette époque est-elle dialectique et en quoi la crise du capital est-elle le moment dialectique total? Charles? Toutes les époques sont dialectiques en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que la dialectique ressurgit avec la Révolution française que les époques d'avant n'étaient pas dialectiques. C'est-à-dire que dans l'époque féodale, etc., on a toujours le cheminement de la valeur d'échange qui invalide, qui fait des transformations, qui fait des luttes de classe qui ne se disent pas encore lutte de classe, c'est la lutte des ordres, etc. Mais toutes les époques sont des époques dialectiques, toute l'histoire est dialectique. Mais à un moment donné, la dialectique produit elle-même le niveau supérieur qui fait que dans sa dialectique de l'histoire, l'humanité fait l'expérience d'elle-même. C'est-à-dire que, et ça c'est déjà c'est Hegel, c'est qu'est-ce que l'histoire? C'est la nature prenant conscience d'elle-même. C'est la nature prenant conscience d'elle-même. C'est-à-dire que pourquoi on a l'histoire, pourquoi on a la réification, pourquoi on a l'aliénation? C'est que dans le long devenir des communautés communistes primitives, il a fallu, à travers l'absence d'universalité, produire une médiation qui ferait que l'humanité, par la médiation, réussirait à faire l'expérience de l'universel par la médiation et, dans cet universel dépassé, faire l'expérience du communisme devenu universel. Donc, il y a toute une dynamique qui fait qu'à un moment donné, il y a une substance visible du renversement et de l'universel. Et ça arrive à partir de la Révolution française. Donc, le capital, en tant que logique la plus révolutionnaire qui soit, puisqu'elle transforme tout, elle réifie tout, elle aliène tout, qui révèle justement à l'homme sa nature profondément communiste universelle, à ce moment-là, le cycle ouvert par le capital devient visiblement dialectique. C'est pour ça qu'il y a Hegel, c'est pour ça que le surgit Marx, etc. Ça peut suggérer que là. Mais on est l'époque la plus dialectique, dans le sens où elle est la plus contradictoire à elle-même. L'homme est le plus étranger à lui-même dans le capital. C'est ce qui fait justement que dans cette contradiction qui va jusqu'au bout du bout, il ne peut pas avoir une époque qui soit plus dialectique que le capital dans sa domination réelle. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment T qui serait justement l'absolue négation du capital en lui-même, et on ne pourra pas penser à un moment plus contradictoire en lui-même que ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce seuil donné, l'humanité peut se ressaisir. Et on ne pourrait pas avoir un mode de production, de dessaisissement qui viendrait derrière se ressaisir, puisque précisément c'est le but de l'histoire que de produire ce mouvement de conscientisation. Donc on est l'époque la plus dialectique dans le sens où elle est la plus révolutionnaire, dans le sens où elle est la seule époque où l'humanité peut se ressaisir vraiment. C'est-à-dire qu'on est à l'époque où l'humanité est en train quelque part de naître dans sa forme réelle. L'histoire, c'est quelque part la préhistoire. Enfin, il y a la préhistoire, il y a le cheminement historique qui est le développement de la nation. Mais quelque part, ce développement de la nation, c'est la naissance de l'espèce humaine en tant que telle. C'est-à-dire qu'on est en train d'aboutir à nous-mêmes par la médiation de l'histoire. Et c'est dans ce cheminement-là qui fait que justement, on ne pourra pas avoir une époque encore plus dialectique qu'aujourd'hui, puisqu'on est précisément en train de naître à un seuil donné où on ne pourra pas naître une deuxième fois. Et on est dans le moment terminal de la résolution de la crise du capital. Et c'est la question est bien posée, parce que pourquoi la crise du capital est-elle le moment dialectique total? Elle est le moment dialectique total parce que l'intégralité de l'existence humaine aliénée va se résoudre dans cette crise. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui avec le confinement et avec le grand bouleversement, le grand basculement qui arrive, que toutes les familles, tous les systèmes politiques, toutes les relations sociales, tous les couples vont exploser en vol. Parce que l'intégralité de la société est en train effectivement de connaître sa résolution possible, au sens où l'intégralité de l'espace social productif n'est plus en mesure de produire sa propre production. Et donc, ce n'est pas simplement, à un moment donné, un système économique qui vacille. C'est un système entièrement... C'est l'intégralité de l'espace social qui n'est plus en mesure de se reproduire dans la valorisation capitaliste. Et c'est le grand bouleversement de l'intégralité de l'humanité possible, quoi. Après, il y a une notion d'arrêt aussi à l'époque féodale, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt du mode de production féodal qui fait qu'à un moment donné, ça bloque entièrement. Enfin, il y a un mode de production qui bloque entièrement. Mais ce qui fait que c'est vraiment le stade le plus dialectique, c'est dans le sens où le mode de production féodal n'a été que le renversement du mode de production féodal. Mais le mode de production capitaliste est le renversement de tout mode de production qui ne serait pas la production immédiate de l'humanité elle-même. C'est-à-dire qu'on a une notion, et là, je pense qu'il faudra le travailler, le re-retravailler, parce que là, on rentre dans la crise de l'équivalent abstrait. C'est-à-dire que la crise du capital n'est pas juste la crise du capital en tant qu'il produit
une force médiation particulière qui ferait la production d'une plus-value et d'une exploitation, d'une chosification, mais il produit l'auto-invalidation du principe même de médiation, le principe même d'équivalence, d'équivaloir, c'est-à-dire que il n'est même plus... Parce qu'il y a eu de la marchandise quelque part dans différentes époques du mode de production. C'est seulement à partir du capital que cette marchandise, cette valeur d'échange, va prendre le pas sur les autres modes de production, la valeur d'usage, etc. Donc le capitalisme, il est le mode de production spécifique qui généralise la forme marchandise. Mais dans la crise du capital elle-même, on rentre dans une crise qui n'est pas seulement la crise du capital, mais qui est la crise de la valeur d'échange en tant que telle. C'est donc la crise de toute l'époque qui souffre du néolithique jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas la crise juste du capital. Ce n'est pas parce qu'il bloque entièrement, c'est parce que là, on fait une synthèse globale de toute l'histoire humaine. C'est pour ça que Marx dit que le capital est le dernier mode de production fondé sur la valeur. Et ça ce n'est pas un délire idéologique, parce qu'on aimerait bien que ce soit le dernier. C'est parce que c'est contenu dans la crise de l'équivalent abstrait. Alors c'est aussi qu'on voudrait bien que ce soit le dernier. Mais... parce que comme on est dialectique, on comprend que notre subjectivité n'a aucun intérêt et que la dialectique nous donne la réponse. Effectivement, puis après, la dernière question, c'était en quoi sommes-nous tous l'incarnation de la dialectique universelle de l'histoire ? Alors moi, je voudrais reprendre l'avant-dernière question. Alors, l'avant-dernière question, elle est très importante parce que la crise du capital comme mouvement dialectique total, c'est d'abord une gigantesque baffe à tous les plaidoyers négativistes de soumission et d'échappée. On a rencontré plein de groupes en décomposition, plein de chapelles en sénescence qui considéraient dans les années 80-90, que le capital avait tout digéré, que la loi de la valeur avait absorbé le capital dans une unité supérieure et que finalement, maintenant, le capital était éternisé. Sauf que la mise en jachère, le coronavirus et la gigantesque crise qu'on rencontre vient nous montrer qu'il n'avait rien digéré du tout, puisque s'il avait digéré, il n'aurait pas besoin de ce gigantesque appareillage nouveau, terroriste, sanitaire, pour faire passer justement sa contradiction majeure. Donc, l'idée que le capital avait digéré toutes ces contradictions majeures et qu'il n'y aurait plus de révolution sociale, elle est gigantesquement écrasée par la crise terroriste actuelle du coronavirus et de la mise en friche, parce que par la mise en friche, le capital nous dit j'ai une contradiction majeure dans ma reproduction sur la composition organique, sur la baisse du taux de profit et sur la reproduction du prolétariat, je n'arrive pas à la gérer et je suis obligé de produire cette gigantesque distraction pathologique qui s'appelle le coronavirus, parce que justement, ce que plein de gens croyaient que j'avais digéré et que moi-même j'aurais aimé pouvoir imaginer avoir digéré, je ne l'avais pas digéré. Donc, on a une très très bonne nouvelle, on a une très très bonne nouvelle dans cette gigantesque crise de la mystification sanitaire, c'est que contrairement à ce qu'on nous a raconté, à droite, à gauche, au centre, au nord, au sud, le capital n'est pas éternel et il est en train de nous le dire en nous disant « je ne m'en sors pas, je suis dans un cul-de-sac, je suis dans une impasse et je suis obligé de faire ce que je n'ai jamais fait dans toute l'histoire mondiale de mon processus de déploiement ». Je suis obligé d'avouer que je suis obligé de m'arrêter. Donc, c'est prodigieux. Ça veut dire que tout se redéfinit et que même les passifs les plus passifs vont être dans l'obligation de s'interroger avec un minimum d'intelligence, de fluidité et de positivité. Donc, ça, c'est le truc le plus important parce que moi, je vois que dans les années 70-80, plein de gens étaient partis se perdre dans les forêts, le fromage, la poésie. Et j'ai de plus en plus de gens qui me recontactent en me disant on n'imaginait pas qu'un jour le capital vivrait une crise pareille, puisque plein de gens croyaient qu'il n'y aurait plus de crise, que le capital finalement avait fermé la boutique des crises et que tout devenait linéaire dans une reproduction servile où finalement toute révolte, toute potentialité critique est d'emblée digérée par le capital. Et là, on apprend que le capital n'arrive même pas à se digérer lui-même. Donc, puisque le capital n'arrive même plus à se digérer lui-même, on envisage cette gigantesque ouverture, ce gigantesque horizon de critique sociale qui fait que les gilets jaunes vont revenir sous une autre forme encore plus radicale, encore plus étendue à l'échelle mondiale et que donc l'histoire n'est pas arrêtée, l'histoire va se réouvrir. Et là, on retombe en plein
dans ce qui fait la dialectique. On ne peut pas fermer l'histoire. L'idée que l'histoire pourrait se fermer est antidialectique. Donc, si je suis dialectique, je sais que l'histoire ne se fermera jamais, même si pendant 20 ans, il y a un cercle de fermeture ou un cycle de fermeture apparente. L'histoire est anti-kantienne, l'histoire est dialectique, elle reprend Hegel, elle reprend Marx dans une lutte de classe radicale qui fait que l'histoire n'est jamais arrêtée. Et donc, ça, c'est fantastique parce que le Capital est en train de nous dire bah oui, oui, l'histoire n'est jamais arrêtée. Mais alors, maintenant, sur le problème de la négation, effectivement, toutes les luttes de classe dans le développement historique du positionnement dialectique ont toujours abouti à une reformulation, modernisation de l'aliénation. Si je prends les premières luttes au sortir du néolithique jusqu'à toutes les luttes des années 80, Solidarność en Pologne en passant par 68, chaque lutte qui se produit comme défaite dans la reproduction encore possible du capital aboutit à une modernisation du capital. Donc, alors, modernisation du capital, mais avant le capital, modernisation du temps féodal, modernisation de tous les temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'une lutte surgit dans la dialectique de l'histoire et que le temps de la négativité supérieure qui abolit toute l'histoire de l'aliénation n'est pas arrivé, chaque lutte est condamnée à moderniser l'oppression. Mais là, j'entre dans une temporalité particulière. Compte tenu de la crise de la baisse du taux de profit, compte tenu de la saturation des marchés, et comme le disait Charles, compte tenu du fait que, et c'est là où il faut avoir une lecture intelligente du capital en jaillissement dialectique d'unité entre la science de la logique, les Grundrisse, l'introduction de 57, derrière la crise du taux de profit, derrière la crise de la saturation des marchés, il y a la crise de l'équivalent général, ce fameux fétiche qui, dans la domination réelle réalisée, et le fétiche de tous les fétiches de l'usine globale qui structure la schizophrénie mégabolitaine de la domination réalisée. Et la crise dans laquelle je rentre, c'est bien évidemment la crise de la domination réelle réalisée, mais la domination réelle réalisée, en tant qu'elle est le moment dialectique de toute l'histoire de l'humanité, de la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui, elle cristallise toutes les opérations de refondation réformiste de l'aliénation qui s'est constamment modernisée pour se reproduire. Donc, ce n'est pas simplement un enjeu entre l'homme et le capital, c'est un enjeu entre l'homme et la domestication, c'est un enjeu entre l'homme et la domestication présente qui contient et qui recèle toutes les domestications antérieures. C'est donc une crise ontologique derrière la crise de la baisse du taux de profit, derrière la crise de l'équivalent général. Et c'est pour ça que le mot qu'employait Charles est très important, la médiation. Depuis le néolithique, l'homme ne vit à lui-même que le rapport à lui-même médié dans la médiation d'une aliénation qui le traverse et qui le présuppose. On est donc rentré dans une période qui est la crise de toutes les auto-présuppositions aliénatoires de ce qui produit la médiation nécessaire dans la vie de l'homme qui ne vit pas sa vie mais qui la vit à raisonner par des médiations qui le renvoient à autre chose que lui-même pour qu'après il puisse se retrouver, mais qu'il puisse se retrouver domestiqué dans un anti-lui-même. Donc, le temps dialectique de toutes ces négations que l'histoire a connues depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, position, opposition, recomposition, position, opposition, recomposition, temps féodal, temps baroque, temps classique, domination formelle du capital, domination réelle, et on arrive à 2020, on est effectivement rentré dans le moment dialectique total qui, dans la crise du temps présent, contient la crise de tous les temps antécédents. Et c'est là, où le concept d'automouvement radical contre toutes les chapelles de droite, contre toutes les chapelles de gauche, contre toutes les médiations est décisive, parce que pour la première fois dans l'histoire, dans ce mouvement dialectique total de toutes les aliénations, est posée la question, la seule question dialectique, la radicalité vraie de l'automouvement absolu, le savoir absolu de la phénoménologie de l'esprit, la conscience radicale totale des manuscrits de 44 et ce qui positionne la conscience théorique, le manifeste. Donc,
au bout de toute cette aliénation dialectique qui s'est répandue et qui s'inverse, et poser la question de la conscience dialectique totale, du tout comprendre, du tout vibrer, du tout saisir, du tout vivre et du tout jouir. Donc, elle est décisive, cette question. Et alors, grâce à cette question, je bascule sur votre dernière question. Bien évidemment, la dialectique, c'est l'aufeboune universel de l'humanité aliénée. Marx, reprenant Hegel, n'a pas choisi par hasard les concepts clés du surgissement révolutionnaire du prolétariat contre l'argent et contre l'État. Il parle de classe en soi et de classe pour soi, qui sont les catégories mêmes de la dialectique hegelienne telle qu'il la renverse à partir du moment où le sujet n'est plus l'État rationnel, mais l'abolition de l'État. C'est-à-dire que il y a un prolétariat classe en soi qui pose le temps dialectique premier de l'aliénation, du réformisme et de la domestication, et il y a un temps deux qui est celui de la classe pour soi comme classe révolutionnaire qui abolit le réformisme, qui abolit l'argent et qui abolit l'État. La grande question, la grande méthodologie subversive, comment passe-t-on de la classe en soi à la classe pour soi? Contre toutes les médiations libertaires, bolchevistes, trotskistes, tout ce que vous voulez, et poser la question de l'automouvement. C'est-à-dire que le prolétariat de classe en soi devient classe pour soi parce qu'il y a la problématique radicale incarnée dans la matérialité concrète de la baisse du taux de profit qui fait qu'à un moment donné, le capital ne peut plus reproduire la reproduction de sa composition organique. Et comme le prolétariat, à partir de là, est dans une implication réciproque à la dialectique du capital, il n'y a pas d'un côté la dialectique du capital qui pèserait sur la dialectique du prolétariat. La dialectique du prolétariat et la dialectique du capital sont en interaction dialectique. Donc, qu'est-ce qui fait que la classe en soi devient une classe pour soi? Et là, on est au cœur de la science de la logique, on est au cœur du capital, on est au cœur de ce que dit Marx dans sa fameuse lettre à Ditzgen. Il faudrait, et il parle de la dialectique, mais dans le même temps, avec Kugelmann et Engels, il dit « il faudrait le marché mondial ». Donc, le marché mondial et la dialectique, c'est la même chose. Marx n'a pas pu écrire son marché mondial et il n'a pas pu écrire sa dialectique. Mais s'il avait écrit sa dialectique, ce serait la marche mondiale. Et s'il avait écrit le marché mondial, ce serait la dialectique. La dialectique et le marché mondial, c'est le même mouvement de l'autoproduction, de l'autoprésupposition de la révolution communiste possible, parce que c'est la réalisation dialectique de l'autoprésupposition de la crise terminale du capital. Donc la classe en soi devient une classe pour soi qui est revenue à soi parce qu'elle est l'auto-émancipation de l'humanité, parce qu'il y a la crise terminale du capital contre tous les partis, contre tous les syndicats, contre toutes les avant-gardes, contre toutes les gauches, contre toutes les droites, pour la liquidation de l'argent et pour la liquidation de l'État. Et là, on est au cœur de la dialectique. Si je ne comprends pas la dialectique, je ne comprends rien à l'œuvre de Marx. Et je ne comprends rien à l'œuvre de Marx, parce que je ne comprends rien au mouvement réel du prolétariat, et je ne comprends rien à l'auto-émancipation du prolétariat. L'auto-émancipation du prolétariat n'est pas un sujet théorique. C'est pas un sujet théorique. C'est pas la monadologie de Leibniz ou la cité de Dieu de Saint-Augustin. C'est pas un penché théorique qui positionne une question logique sur le monde. C'est l'automouvement de la logique du monde qui vient positionner l'auto-présupposition finale de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire en tant qu'elle est la fin de l'aliénation de l'homme exploitée par l'homme. Donc ça, c'est décisif. Et alors, je bascule sur votre dernier truc. La dialectique dans nos vies individuelles, bien évidemment, c'est décisif. La dialectique, c'est le tout du monde. Mais si la dialectique, c'est le tout du monde, c'est le monde de nos totalités, dans nos solitudes, dans nos expériences, dans nos subjectivités, dans nos couples, dans nos familles, au boulot, bref, dans ce qui fait le rapport social de notre rapport à nous-mêmes au quotidien. La dialectique, c'est le poser, c'est le recomposer, c'est l'émancipation, c'est l'aliénation. Qu'est-ce que je fais de ma vie au quotidien d'un point de vue dialectique? Est-ce que je prends part au logos du monde pour faire vibrer en moi la jouissance, la conscience, la radicalité, ou est-ce qu'effectivement je demeure soumis à l'arraisonnement du capital? Et c'est pareil,
je peux participer à un cénacle à Besançon autour d'une table avec quatre Pékins où on va effectivement se poser la question de l'idéologie allemande. Mais on va se la poser comment, la question de l'idéologie allemande? Comme un texte distractif entre deux séances de cinéma, parce qu'on est vieux, on est fatigué, on est gris, on est triste? Ou est-ce que c'est justement un lieu d'incarnation pour faire vibrer la jouissance, la rencontre, la dialectique? La dialectique est un acte de jouissance. C'est l'acte de l'histoire et c'est l'histoire de tous les actes par lesquels l'homme s'incarne dans une saveur, dans une conscience et dans un épanouissement. La dialectique, c'est l'être générique dont on parle dans les manuscrits de 44. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté le savoir du monde et d'autre côté la jouissance de la chair. Il y a une unité dialectique dans le logos du monde qui fait dialecticos et Marx, Hegel, les présocratiques, la lutte de classe, jouissons sans entrave, non pas dans la marchandisation débile, dans la masturbation textuelle, dans l'errance gnoséologique, mais jouissons sans entrave dans l'incarnation conceptuelle de la vraie vie charnelle qui est l'émancipation contre l'État, contre l'argent, contre le mensonge du coronavirus et surtout dans la compréhension dialectique que le moment terminal, crisique, dialectique que nous vivons, il est logique. Il est logique. C'est toute l'opposition entre Marx, Hegel et Kant et toute la philosophie de génuflexion. Il existe un savoir absolu radical qui permet de comprendre l'essence du monde. Il n'y a pas d'inconnaissable, il n'y a que de l'inconnu. Au bout du doute, il y a le désir, il y a le plaisir et il y a le doute qui s'expertise en vraie connaissance radicale. Et donc, la dialectique, c'est le savoir du tout, c'est le logos universel et c'est ce qui fait que chaque individu peut s'appréhender dans la logique de l'histoire, il peut comprendre le tout, il peut tout comprendre en le tout et il peut savoir où il va parce qu'il sait d'où il vient. Dans cette longue série dialectique des positions, négations, oppositions, recompositions, qui fait que l'histoire a un sens. L'histoire a du sens parce que l'histoire a un sens. L'histoire n'a du sens que parce qu'elle a un sens. Son sens, c'est cette destination qui s'appelle la dictature anti-étatique du prolétariat pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent, telle qu'elle est contenue dans le mouvement dialectique total de la crise du coronavirus, et dans toutes les extériorisations industrielles, bancaires et commerciales qui vont voir, dans les temps qui viennent, le rapport de la formation sociale aliénatoire s'aliéner, se perdre, se répandre en contradiction et donc en invalidation. Très bien, ben je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de faire cette émission et on espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir à nous écouter. Et on vous souhaite une bonne soirée et on vous donne rendez-vous dans une semaine, quelque chose comme ça, pour une émission d'actualité. Il y aura les élections aux États-Unis, il y aura le coronavirus et il y aura plein de sujets explosifs du point de vue de la dialectique de l'histoire et de la crise du capital. Voilà. Vive la vie.